Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bonjour Vince, bonjour Baloulou, bonjour Bigfoot, bonjour Doom. J'espère que vous allez bien. Alors attendez, il y avait bébé, il y a 2 secondes. Bébé, bah, tu vas... de toute façon il va repasser, il a faim. Bonjour Benjamin, Babouliné. Ah, 5, 4, 3, 2, 1, attention. Cool. Ah ouais, samedi prochain c'est férié. Tu m'étonnes, Doom. Ouais, salut Benjamin. Bah écoute, bienvenue sur la chaîne. Ouais, yo, comment ça va? Alors, ce que je vous propose, les gars, aujourd'hui. Oh, merci, c'est pop, 9 mois. J'hallucine, j'hallucine toujours. Merci pour le sub, merci Seppok, merci, merci, merci. Bonjour Bob Darion, comment ça va? Ouais, oh là là, vous imaginez? Oh là là, non, mais c'est fou quoi. Bon, voilà. Donc, du coup, je vous ai mis le programme. Donc, nous allons préparer des sakus. Donc, vous allez voir, c'est des petites boules en fait avec des perles de tapioca. On parlera un petit peu des perles de tapioca. C'est la première fois que je vais les cuisiner. Ensuite, je vous propose de faire un Yosen Kao Poon. Alors, désolée pour la prononciation. Voilà, il y aura une petite sauce qui accompagnera. Donc, en fait, c'est quoi? Ça va être un rouleau. En fait, on va faire le rouleau avec vermicelle de riz. Alors, les gars, je n'ai pas la recette. Bonjour Gardine, bonjour Batou. En fait, j'ai vu la photo. J'ai vu la photo et en fait, il y avait écrit les différents ingrédients dedans. Voilà, donc on va essayer de le faire à notre façon. Enfin voilà, on va le faire à notre façon et puis on va voir si ça marche. Hein. Voilà, donc le but est que nous ayons un rouleau de vermicelle. D'accord, qui sera fourré, mais on verra ce que ça donne. Une petite sauce qui va Tu crois accompagner que si elle et... avait 100 ans Oh, de moins et merci. moi 100 ans de plus? Merci Seb Pop, merci pour le sel. Merci beaucoup. C'est moi ou la caméra, elle est un petit peu bizarre. Ouais, elle a pas un peu chelou là? Attendez. Ah, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Je suis avec un papy chat. Ah, de 19 ans, Voldarion. Ouais, le mien, il a 16, 16, 16. Ouais, c'est des papys, hein, tu m'étonnes, c'est clair. Hein. Voilà, et ensuite, on va terminer avec un tomka gay. Vous allez voir, ça ressemble. Coucou Sam, comment tu vas? Ouais, ça va et toi? Donc vous allez voir, ça ressemble un petit peu à une soupe en fait à base de lait de coco. Il y aura plein de choses dedans. On aura de la citronnelle. Alors il y avait du galanga. Donc le galanga, j'ai encore fait chier. Donc là j'ai fait chier 2 épiciers. Il n'y a pas de galanga. Voilà. Et si c'était flou presque. Ouais, c'est ça. Ouais, donc du coup c'est bon, j'ai arrangé. Ouais, donc du coup j'ai pas trouvé de galanga. Et ce qui se rapprocherait le plus du galanga, c'est le gingembre. Donc du coup ça c'est bon, le gingembre j'ai. De toute façon je vous expliquerai quand on fera la recette. Et puis voilà, bah écoutez, voilà, je vous propose de commencer. Ouais, merci, c'est gentil, Sam. Merci, c'est gentil. Ouais, arrêtez, les gars, arrêtez, arrêtez. voilà, alors par quoi on va commencer? On va commencer par les sakus, parce que je vous avoue que je suis très, très intriguée. Du coup, on va faire des petites. Donc, déjà, on va chauffer à la poêle différents ingrédients. Ensuite, on va former des boulettes. Ok, on va laisser refroidir pendant une petite demi-heure et après il faudra en fait mettre des perles de tapioca et faire cuire ça à la vapeur. Bon, normalement ça doit donner un petit effet transparent. Donc on va voir. Mon béto m'a dit plus 15 ans, c'est chat gériatrique. Arrête le mien, il a 16. Les épiciers en PLS, ouais, je vous promets grave. Ouais, mais bon, c'est bien, au moins ça les pousse à. Ouais, ça les pousse à. Voilà, enfin, s'ils savent qu'il y a quelqu'un qui cherche du galanga, peut-être que la prochaine fois il y aura du galanga. Voilà, et mercredi je vais chercher mon psy, ça. J'espère que je l'aurai. Très bien, donc les gars, donc le sakou, en fait, dedans il y a juste une chose que je n'aurai pas. C'est les pickles de radis. Donc les pickles de radis, je les ai trouvés qu'aujourd'hui. Donc du coup, j'ai pas pu les faire en pickles avant. Voilà. Donc c'est le seul truc que j'aurais pas. Sinon, dans la recette, vous avez des échalotes, oignons, ail, coriandre. Nous ne mettrons pas de coriandre. Je n'aime pas la coriandre. Nous mettrons du persil. Et du sucre de palme. Alors, sucre de palme, je sais où le trouver, mais j'en ai pas pris. Du coup, on va faire avec l'érythritol. Ah, les gars. Ouais. De toute façon, je pense qu'on va quand même retrouver des petites saveurs. Et du coup, il y a des cacahuètes dedans et des perles de tapioca. Et puis voilà. Et à la fin, donc on mettra du piment en du piment. Et bonsoir McLovin, du piment et ça, la ciboule. Voilà. Alors les baloulous demain je vais chez le boucher. Demain je croise les doigts. J'espère que le boucher va venir. Oui, allez, vas-y, je te passe 1 mètre. Ouais, je croise les doigts, baloulous. Sinon ça va se terminer. En fait, on va rouler dans le cellophane et puis on va cuire ça dans l'eau. Bon, ça sera pas les vraies saucisses, mais tant pis. Vu toutes les recettes que tu fais, ils te voient arriver, ils doivent être contents. Ouais, bah oui, tu m'étonnes, Gardine. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Oui, carrément, oui.
mais bon, je crois que parfois il se passerait bien de mes petits passages. Très bien, donc les gars, on y va. En fait, on va préparer tous les ingrédients. Du coup, je me suis dit, est-ce que je ne serais pas un petit peu plus structurée pendant mes streams? Donc, nous allons préparer tous les ingrédients et ensuite on va lancer la cuisson. Oui! Voilà, structurée dans le stream. Voilà, comme quand je fais mes séances avec mes élèves, c'est structuré. Donc là, il faudrait quand même que je sois un petit peu structurée. Ouais, surprise, bah loulou. Ouais, grave, grave. Mais j'espère vraiment que, bah, écoute, que j'aurai quand même les boyaux, parce que j'aimerais bien utiliser ma machine, quoi. Enfin, ouais, voir que, ce que ça donne, quoi. Ouais, donc on verra. J'en profiterai aussi pour... Ah, quoi que ma graine, non, c'est pas sûr que je le prenne cette fois-ci. Alors, attendez, du coup... je vous fais un petit topo sur ce qu'on a hier. Donc hier c'était, alors tout était super bon. Il y a une petite sauce qu'on a faite, en fait il en restait, donc du coup j'en ai remangé le soir. Et ça avait pris toutes les saveurs, c'était encore 10 fois meilleur. Tu peux aussi rouler dans le papier de cuisson au four. Ouais, et comme les saucisses juives. D'accord, ok, donc le faire au four. Ouais, ok, ça marche, Doom. Du coup je pense que ça sera meilleur qu'à l'eau. Ouais, merci. Ouais, yes, merci. Ouais, et donc du coup, alors il y a juste le veau, en fait la poitrine de veau, vous savez, ça fait un peu comme le morceau qu'on avait fait la dernière fois. En fait, il y a trop de grains dedans, j'aime pas. Vous savez, c'est un peu, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, tu vas voir la structuration vite, ouais, grave. Non, Voldarion, c'est-à-dire que là, on va préparer les ingrédients et ensuite, on va se lancer dans la cuisson. C'est pas je fais un ingrédient, je viens papoter et tout, je repars, ici et ça. Non, on va essayer de, voilà, de rester centré, concentré. Ouais, concentré. Alors, attendez. Voilà, ouais, donc du coup dans cette recette, il n'y a pas de viande, il n'y a rien du tout, donc c'est vraiment, c'est végétarien. Et ça a l'air, ouais, t'as vu, ouais, merci Patou, ouais, franchement c'était top. Mais je vous réserve encore un autre truc, Je ne dis rien, Ouais, c'était, bah franchement du coup c'était vraiment sympa. Et les poivrons les gars, avec, vous savez, avec le, ce qu'on a fait par-dessus là, le chihuahua topping, oh là là. C'était trop bon. Ouais, donc voilà, donc du coup c'était bien, c'était très bien, c'était parfait. Question importante, Laos c'est en Asie. C'est à côté de la Thaïlande. Merci Bigfoot. Ouais, merci Bigfoot. Non, du tout McLovin. Alors là du coup en fait tu vas voir, en fait c'est juste cuisson à la poêle. Donc là en fait ça sera cuisson à la poêle et ensuite on va cuire à la vapeur. Une fois que ça aura bien refroidi, qu'on aura formé des petites boulettes et qu'on les aura trempées dans les perles de tapioca, du coup on va cuire à la vapeur. Voilà. J'ai posté sur des quiches qui... Ok, ça marche, merci Doom, merci. Merci les gars, c'est trop bien. Tu peux le faire d'abord dans un bouillon. Ouais, oui c'est ça, ouais. Oui c'est ça, bah, c'est ce que je vais faire en fait du coup. Ouais, c'est... si je n'ai pas les boyaux les gars. Hein. Ah mais de toute façon même si j'ai les boyaux. Non, si j'ai les boyaux on fera à la poêle. Hop. Du coup, alors attendez. Ouais, on y va. Donc ça, on va le faire hyper finement. Et ça va nous servir dans les deux recettes. En fait, dans l'autre recette... ah non, l'autre recette, non. L'autre recette, c'est vraiment surprise, les gars. Donc la tamise passe par le Laos. Ouais, pas loin. Exactement, Bigfoot. Arrête avec mes élèves. Bon, là, on est que sur l'Europe. Du coup, on va bientôt étudier l'Asie. Non, les gars, je me remets à niveau en termes de géographie. On a même vu où c'était la Laponie et tout. Donc non, je me remets à niveau. Hop. Bon, du coup, j'y vais plus doucement. Donc là, je fais vraiment fin. Et ouais, vraiment fin. Et du coup, il y aura de l'oignon et de l'échalote. Ah bah. Et ouais, donc le rouleau, les gars, le rouleau, donc ça va être un rouleau de vermicelle. Donc du coup, je pense que je vais le cuire à la poêle, parce qu'au fond, je me dis que ça va être vraiment trop dur. Sinon, il faut d'avoir des boyaux, prends ceux de tes... Ah non, Gardi, attends, je ne veux pas faire ça, mes vieux. Vous avez vu, là, les followers, c'est encore... ouais, c'est encore baissé. Du coup, arrêtez de follow, les gens, s'il vous plaît. Arrêtez de follow, qu'on ait les bons chiffres, s'il vous plaît. Ouais, mais pas toutes. D'accord, ok, ça marche, merci Vince, ouais. Et donc, tu sais pas où... Si, je sais, en Laponie, hein. Le Papa Noël, c'est en Laponie. Donc du coup, c'est en Finlande, les gars, c'est en Finlande. Et ça doit être sympa, là, j'ai... Ouais, bah oui, bah tout... Attends, on est sur la Rose des Vents, on est sur le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest, on a fait les... on a commencé à apprendre à se repérer, vous savez, comme pour les bateaux, avec latitude, longitude, le méridien Greenwich, les parallèles et tout. Non, là, on est bien, hein. Et donc, du coup, on a commencé donc le compas, l'utilisation du compas avec les élèves. Et donc, en fait, comme on travaille aussi sur le système solaire, du coup, en fait, je vais leur faire faire leur système solaire, mais ils devront utiliser le compas. Comme ça, on fait double utilisation, donc les maths et les arts visuels.
Ouais, donc ça, ben ça ils ont hâte, hein. Mais ils ont trop hâte. Tu peux parler un peu moins fort, tu fais baisser mon ton d'alcoolémie. Ouais, non, pas Starsy, quoi. Merci Zatog, bonjour, comment tu vas? Ouais, salut. Ouais, donc du coup, c'est toi ou c'est moi? Non, moi je suis pas encore libre. Et donc la Laponie, c'est à côté de l'Australie vers la Jamaïque. Ouais, c'est ça, c'est là. Exactement. Ouais, donc du coup, je sais plus. Merci Zatog, parce que du coup, je sais plus. Merci Gardil. Alors, est-ce que je vous raconte l'histoire de... Vous voulez quoi? Sur la nourriture ou en classe? Alors, ouais, donc du coup... Non, je sais plus. Ah oui, vous voyez les petits monstres qu'ils ont, les enfants? Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble et tout. Et ben donc du coup, en fait, on travaille. Donc, ils sont tout contents parce que, en fait, ils avaient ramené un petit monstre. C'est pour présenter à la classe. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on va pas utiliser ça pour travailler le portrait et les adjectifs, les gars? Donc du coup, ouais, donc il y en a d'autres qui avaient des petits monstres, donc ils les ont ramenés, donc ça, franchement c'est super sympa en fait, ils les ont ramenés et tout, et donc du coup en fait ça les fait vraiment bosser, parce que du coup ça les touche, voilà, ils aiment bien et tout, oui de toute façon je vous ai dit, je suis trop géniale. Ouais, bon bref, ouais, bonjour Zatog, et quand tu plies la carte comme il faut, ouais c'est à côté, oui c'est clair, je parle de Thomas, attends c'est qui Thomas, Thomas qui, tiens je sais pas. C'est qui, Baloulou? Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Oui, alors, donc si vous voulez, quand on arrivera à la tomate, on parlera un petit peu de la tomate, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je l'oublie, mais il faudrait parler un petit peu de la tomate. Et les gars, nous allons avoir du piment. Ça aussi, nous allons parler du piment. Les petits monstres. Ah, mes modos. Non, mes modos, ils sont super. Mes modos, ils sont top. Hein. Ouais, ils sont top. Ah, Baloulou. Ah, Thomas Pesquet. Ah oui, oui, on a parlé de Thomas Pesquet. Ouais, ouais, carrément. Oui, mais on avait parlé du décollage et tout, de le fait, tu sais, qu'il sort de... Bah, de ouais, pardon, excuse-moi. Ouais, pour le système solaire. Oui, oui, Baloulou, exactement. Et en fait, c'est hyper important de raccrocher, en fait, la... Comment on appelle ça? Leur réalité, en fait, aux apprentissages. C'est comme ça qu'ils apprennent encore mieux. Oui, les... Non, pas le navigateur, donc c'est astronaute, non, je sais pas. Bon, attendez, je termine ça. Voilà. Voilà, bon bref, et donc du coup avec les petits monstres, ils étaient à fond et tout, ils m'ont trouvé une tonne d'adjectifs et tout, enfin, franchement ils ont fait trop bien, trop bien. Donc tout ça pour arriver à l'objectif de faire une production d'écrit, de créer son propre monstre, le 13e travail d'Hercule. Ouais, vous avez vu, il y a la suite dans les idées, hein. Grave, et ça y est, je me suis fait vacciner. Ah, yes! Alors les gars, je tiens à vous dire que ça me démange, ça me démange, ça me démange, ça me démange. Je vais me casser, je vais me casser, je vais partir en voyage, ça c'est clair et net. Je vous le dis, je vous le dis. Salut Stéphane, comment ça va? Ouais, ouais, salut Saviran. Oui, bah oui, alors, donc du coup, donc là, ça va être l'histoire de d'où j'ai envie de me casser, les gars. Vous savez que, donc à Madrid, donc normalement, l'an dernier, je devais aller à Madrid, il y avait un festival. Et ce festival a lieu encore cette année. Donc en tout cas, il n'est pas annulé. Donc là, je suis en train de me tâter de fou, je vous le dis, je me tâte de fou. Salut MPK02. Et à ce festival, je sais pas s'il y a le groupe, je sais pas si vous connaissez le groupe Alger. Ouais, bah si vous connaissez, c'est la chanson de This is from Matina, ou celle de Lyon, bref. Et il y a les Killers. Donc les gars, je crois que je suis à Madrid début juillet. Il faut que je me... Voilà, je vais voir avec mes photos et tout, mais je pense que là, ça va le faire. Là, je veux partir en fait. Ouais, là, ça fait... Vous savez, ça va bien... Ouais, ça va faire plus d'un an et demi, quoi. Ouais, et en plus, j'étais pas partie en vacances avant le Covid, donc du coup, ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps. Ça marche pas comme ça. Ah, Samuel, pourquoi, il a dit quoi? Tu as vu son instinct de magnifique photo? Ah, j'ai pas vu celle de Thomas Pesquet. Non, mais il faudrait trop que je le mette. Salut, Safiran, comment tu vas? Donc voilà, donc t'as eu la petite histoire de Madrid. Voilà, donc là, je me tâte de fou, mais je pense que ça va... incessamment sous peu, ça va se réaliser, je vous dirai ça, cette semaine. Je réfléchis encore. Ouais, Madrid en Hollande, ouais. À côté de la forêt, non, ouais, tu m'étonnes. Donc du coup, là-bas, je trouverai le produit que je voulais vous montrer. Donc je le ramènerai et tout. Ouais, et je pense que... Ah non, ma clavique, arrête. et donc, désolée, attends, de détruire tes rêves, mais non. À Samuel, pourquoi? Il a dit quoi, Samuel? L'Espagne égale soleil, Maya égale toute marque. Ouais, mais j'irai à Madrid, ce sera pas pour bronzer, du coup. Attends, du coup, c'est quoi, Samuel? Si. Du coup, les gars, ça marche pas comme ça. Coucou, les gens. Ça te démange où? Ah, j'avais pas vu, bah, Loulou.
d'appuyer sur la touche de prendre le billet d'avion, quoi. Et aussi les places pour le festival. Ouais, donc... voilà, donc là, je me donne encore la réflexion. Là, j'ai jusqu'à... Allez, je vais dire mercredi, j'aurai le temps d'y réfléchir. Et puis voilà, et puis je vous dirai... Voilà, voilà, vous savez tout. Très bien, donc nous avons nos oignons vont nous servir dans les différentes... Je me suis trompée, ah oui, McLovin, parce qu'on n'a pas encore fini, là, on vient à peine de commencer. Bonjour Tini Griffy, ça a toujours l'air beau quand tu cuisines et ça a l'air tellement simple quand c'est toi qui le fais. Oh, merci NPK, merci. Bon, j'essaie de vous le rendre le plus simple possible, hein. Ouais, bonsoir, bonsoir Rius, good morning, comment ça va? Ouais, donc du coup, bah, on reparle un petit peu espagnol, hein. Beaucoup. Ouais, hop là, alors attendez, ça c'est bon. Hop. Ok, donc il y a des oignons, vous savez quoi, on va commencer à... Mais oui, c'est clair. Ouais, c'est clair, mais oui, c'est clair. Bonjour Thomas, eh ben voilà, bon, coucou Thomas. Comment ça va? Oui, je le fais, mais oui. Alors attendez, on va lancer. Hop. J'ai envie de lancer toutes les cuissons, les gars. Elles sont pétasses, les bananas. Merci, McLovin. Tu estas loca. Ouais, tu estas loca. Non, non. Non, non, pas moi. Non, je suis pas folle. Par moment, ouais, peut-être. Allez. Ouais, ça va, Thomas et toi, ouais. Ouais, merci, Ryuns. Ouais, top, 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 top. Et toi, comment ça va? Voilà, donc du coup, donc on continue, les gars. Donc nous allons avoir... Là, il y a beaucoup trop d'oignons, donc on va peut-être... attendez, on va prendre un bol. Hop. Elles sont cuites, les bananes. Elle est trop bien la musique, merci. Merci mec. Ok, donc là, ouais, il y a une tonne d'oignons. Autant vous dire que je pense qu'ils vont en rester pour ma salade demain. Hop, ça j'enlève, ça j'enlève. Ok. Bon, ça je vais quand même garder. Ok, donc le but c'est qu'on fasse 3-4 boulettes, hein, les gars. Comme il y a 3 plats, on va faire tout en petit, hein, petit petit. Hein. Bonsoir vétéran Dédé, comment tu vas? Ouais, merci Doom, merci beaucoup. Et donc, c'est Carlos qui chante. Ouais, exactement. Oui, oui, c'est ça. Bonsoir Lola, comment tu vas? Ça va, tu vas bien? Ouais, du coup, j'avais oublié de te follow. Donc, du coup, je t'ai follow tout à l'heure, j'avais oublié. Voilà, hop. Donc les gars, bah, si vous ne connaissez pas Lola, du coup, elle fait des streams de sport. Ça aussi, il faut que j'y enlève. Elle fait des streams de sport et tu cuisines, hein, j'ai vu. Hein. Ouais. Et ok, donc ça c'est... Salut à Moubot, hein. Arrête Lyon, moi je dis bonjour à Moubot et tout. Oui, grave. Ouais, c'est bien, merci pour Moubot. Merci, merci. Hop, attendez. Donc là c'est bon, on a bientôt fini. Donc en fait, donc pour la recette, il va falloir faire cuire les ingrédients dans l'ordre. Les gars, nous ne mettrons pas... Donc pour l'instant, nous ne mettons pas d'huile. Je réserve juste une petite cuillère d'huile pour faire le roulé de vermicelle, d'accord? J'ai eu ma dose d'oléagineux. Oh, merci. Le kebab est offert, Kappa. Oh, merci. Zatog, merci, merci, merci pour le don. Merci beaucoup, Zatog. Merci, t'es adorable, c'est trop gentil. Ouais, c'est fitness et cuisine. Ok, ça marche, ouais. Philippe Risoli. Ah oui, bon, Philippe... Oui, oui. Oui, c'est pas grave, c'est pareil, non? Jean-Michel, à peu près. Bon, les gars, je trouve des trucs à certains moments et je vous explique ma mémoire. N'est pas forcément au top du top parce que je cherchais aussi Carlos. Donc du coup Carlos est resté. La réaction du chat. Ouais, t'as vu Samuel, il est trop bien. Ouais, il est trop bien. Mais les gars, il faut que je reparte à la recherche en fait. Du coup, faut que je reparte à la recherche d'idées. Parce que je vous ai dit, hein, pour le stream deck et pour les récompenses. À poser, comment on fait pour changer de prénom dans la vraie vie? Thomas, je crois qu'il faut que t'ailles à la mairie. Attends, Thomas, c'est génial, ça fait comme Thomas Pasquier. Attends, c'est la classe. Mais oui, c'est la classe. Trop, trop bien. Donc du coup, ce que je disais, donc on va pas utiliser de matière grasse. Là, pour l'instant, on va faire revenir dans l'ordre des ingrédients. Donc nous aurons des oignons, ensuite des échalotes. On va mettre de l'ail, on va mettre un petit peu de sucre et on va mettre nos cacahuètes. Et du coup, je me dis comment ça, où est-ce qu'il y a du liquide en fait? Ah, bah de toute façon, on veut pas qu'il y ait de liquide puisqu'on va faire des boulettes. Bon, je me dépêche parce qu'après, ça doit rester une demi-heure au frais. Allez, hop. Du coup, on va lancer. Hop, là. Voilà, voilà, voilà. Ok, et il faut aller au tribunal. Oui, c'est ça, exactement. Je crois que c'est à la mairie. Tu peux demander, hein. C'est Thomas Pesquet et pas Pasquet. Ah, mince. Merci.
merci Bigfoot. Non mais au secours, heureusement que je suis pas Jean-Michel à peu près avec mes élèves, les gars. De toute façon, avec mes élèves, là j'ai quand même l'honnêteté de, quand je ne sais pas, je leur dis écoutez, je prends mon téléphone. Donc je prends mon téléphone, je regarde sur mon téléphone et je confirme. Et voilà. Je veux surtout pas que, en fait il faut toujours qu'ils me fassent confiance. Donc les élèves, jamais, si on se trompe, faut leur dire qu'on se trompe. Ouais, et toi t'as gagné, ouais McLeving, ouais t'as gagné du coup, ouais, mais je savais même pas que t'avais parié juste avant. Et qui a gagné la prédiction, et parce que, ouais parce que c'est les brioches. Ouais grave, alors les gars, on y va. Donc là c'est bon, je pense que c'est chaud. Ouais, allez c'est parti. Donc on va mettre cette partie là d'oignon. On va attendre une ou deux minutes. Voilà. En fait, je suis en train de me dire, les pickles, est-ce que je ne pourrais pas les remplacer? Donc, il faut vraiment que ce soit fondant, en fait. Comme ça, du coup, on formera nos boulettes. Et donc, c'est le prénom le plus... Ah non, Thomas, c'est trop bien. Pourquoi? Ah, mais c'est trop bien. Ah, c'est parce qu'il est connu, c'est ça. C'est que maintenant, il prend la lumière. Brioche Pasquier et Thomas Pesquet. Ouais, d'accord, c'est bon, les gars. C'est noté. Arrêtez, c'est bon, j'ai compris que Pasquier, c'est les brioches. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Ouais, alors du coup, donc ça on attend que ça revienne. Ce que je vous propose de faire, c'est de lancer la cuisson. Donc là, on va s'occuper de la petite soupe. En fait, c'est une soupe lait de coco. Donc il s'appelle le Tomkagei. Donc on va avoir du lait de coco. En fait, on va mettre d'abord du lait de coco. Alors la recette est un peu au secours. Hein. On va mettre du gingembre avec de la citronnelle. Donc ça va chauffer un petit peu. On attend que ça chauffe un peu. Et ensuite, on mettra du poulet. Des tomates. Non, je crois qu'on va attendre que ça soit prêt parce que je crois que je vais m'embrouiller. Ou sinon, on va préparer les ingrédients. Attendez, les gars, j'essaie que ce soit structuré. Structuré. Ah, merci Lala. Moi, t'es adorable. Merci beaucoup, c'est gentil. Et donc, Rions, à Triuns. Attends, mais... Comment on voit combien de points on a gagné? Ben écoute, Rions, je ne sais pas parce que d'habitude, tu sais, c'est... d'habitude, à la fin, en fait, il y a le résultat. Et là, je n'avais pas vu hier. Les remontées mécaniques. Ouais, mais attendez, parce qu'il nous prévoit 3 mois de super beau. Donc les remontées mécaniques, je pense que là, elles vont pas fonctionner. Hein. Ouais, ça va être... ça va être un peu compliqué. On est à la diète demain jusqu'à jeudi. Ouais, les gars, bah oui, du coup, jeudi, on se retrouvera. Mais jeudi, vous avez vu, on fait hot dog. Hein. Hot dog. Donc là, on va faire le pain, on va faire la saucisse. Il n'y aura pas de frites. Ne me dites pas, est-ce qu'il y aura des frites? Il n'y aura pas de frites, les gars. On est le soir, donc pas de frites le soir. Et les terrasses. Mais non, arrêtez les gars, restez optimistes. Moi je suis super optimiste. Hein. Moi je veux que les. Bah, y a tout qui rouvre là. Hein. Y a tout qui rouvre. Avec les enfants, on va retourner à la piscine parce que c'est bon, le sport intérieur est autorisé pour les enfants. Donc ouais, et en plus je préfère. Bah, vous savez ce que. En fait, généralement, les dernières séances, je vais dans l'eau avec eux. Et je fais mon sport. Je vais jouer 5 minutes avec eux et après je vais faire une demi-heure de brasse. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très nette. Optimisation, optimisation les gars. Pour le chien chaud. Ah oui, mais attendez, on parlera du hot dog. Le chien chaud, exactement. Et je vous dirai pourquoi. Bah non, mais après vous allez aller regarder. Non, non, attendez, on va se garder le petit côté historique pour le chien chaud. Alors attendez, du coup. Alors je récupère ma citronnelle. Donc là, la citronnelle c'était pratique. Du coup, j'en avais au congèle. Hop. Alors on va la faire. Ça, c'est les ingrédients pour le premier. On va prendre une deuxième planche pour les ingrédients de la soupe. Voilà. Nous allons mettre un petit peu d'eau pour pas que ça crame. Oui, oui, oui. Voilà. Très bien. Parfait. Donc là, nos petits oignons, ils sont tout mous. Moi aussi. Ouf. Salut Florian, comment ça va? Ouais, c'est ouf. Sissi raconte. Ouais, Rions. Ouais, mais non, c'est quand c'est en rapport avec le stream. Là, on n'est pas sur le hot dog. Bonjour, Nel Granola. Ouais, Grim, comment tu vas? Mais Grim, ça fait grave un moment. Yes, moi aussi, j'aimerais retourner à la piscine. Ouais, je sais, ma Clévin. Du coup, tu nages? Ouais, tu nages? Oui, ça fait trop longtemps. Mais ouais, eh ben, écoute, je suis super contente. Ouais, c'est cool que tu repasses. Yes, yes, yes. Donc là, on a attaqué le sakou. En fait, on va faire des petites boules. Ça s'appelle les sakou. Et donc on parle de chien, pas de rat. Ouais. Bah oui, tu m'étonnes. Il y en a plus sur les chiens. Très bien, donc maintenant nous mettons nos échalotes. Voilà. Franchement, la technique de l'eau, c'est vraiment pas mal du tout. Du coup, bah ouais, ça fait longtemps, mais c'est clair.
Attendez, non, j'ai pas, c'était quoi? Non, il n'y a pas assez clair. Bon, bref. Alors, notre citronnelle, du coup, je vais tailler en biais. Donc, ça, c'est pour la recette du lait de coco. On va faire tous les ingrédients, on va les préparer. Donc, nous avons la citronnelle, on va avoir du gingembre, donc du galanga normalement, mais j'ai pas de galanga. Hop. Je découvre des ingrédients. Est-ce que vous connaissez le ubé? Le ubé? Je ne connaissais pas, j'ai découvert ça tout à l'heure, je trouve ça hallucinant. J'adore, je continue à découvrir plein de trucs. Et bah écoute, toujours... Hey, notre granola, il y a eu une grosse pause kir pendant l'hiver, mais écoute, il est de retour. Il est de retour depuis la semaine dernière, depuis le week-end dernier. Ouais, c'est trop bon la citronnelle, ouais, grave. Alors attendez, parce que du coup, j'ai même pas épluché mon gingembre. On va prendre le super économe, vous savez, celui qui épluche aussi les carottes. Non, pas les carottes. Hein. Non, je sais pas ce qu'il faut. Ah, bah merci Narflo. Hé, Narflo est de retour, comment tu vas? Oui, coucou Narflo. Bon, bonjour Score, comment tu vas? C'est la parole de Ozone. Ah, Dragostan. Ouais, je chanterai pas. Mais oui, j'ai beaucoup dansé sur cette chanson. Ouais. Ça me rappelle, mais oh là là, ça me rappelle bah, un pote en fait. Du coup, direct, tu me dis Ozone, c'est bon, c'est un pote. Oh là, il s'était mis à chanter ça à la cafette. Non, mais mon dieu, qu'est-ce qu'on avait rigolé. Alors, attends. Pourquoi je trouve pas mon. Ah, j'aurais dû le sortir. Attendez, les gars. Donc, du coup, je vais là-dedans. Je vais chercher dans ce bel vin. Et bah, non, il est pas là. On l'a utilisé ou pas dernièrement, du coup vous savez. Genre la fille. Parce que je crois que j'ai oublié l'autre côté en fait. Maintenant j'ai le gros pot. Ah yes, ouais, donc ça y est, t'es convertie. T'as vu la texture avec un petit peu de miel, mais laisse tomber, j'adore. Bonsoir Narflo. Ouais, bah écoute, bienvenue, ça fait un petit moment aussi. Je suis contente de me repasser, c'est trop bien. Alors attendez. Donc non les gars, je crois que j'ai oublié l'autre côté en fait. Bon, bah je l'ai pas. Bah écoutez, on va prendre un économe classique. Ouais, pas le choix. Je suis un peu dégoûtée parce que du coup il faut enlever la peau des tomates. Donc les gars, nous n'enlèverons pas la peau des tomates. On va pas se faire yèche. Hein. Je convertis. Ouais, toi aussi tu convertis. Ouais, 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 c'est clair. Les meilleurs du chat. Lui, les meilleurs du chat. Les modos, tu veux dire? Attends. J'ai pas compris. Donc hot dog, ça vient du teckel en fait hein. Arrêtez, vous donnez trop d'infos. Et le chocolat noir, notre granola. Yes, bah écoute hein. Trop bien. J'ai fait un feuilleté là, c'était quand j'ai fait un dessert, c'était samedi. On a fait un millefeuille, donc j'ai fait ganache chocolat noir avec la crème à 4%. Et franchement c'était super bon, c'était trop bon. Bon, il y avait la framboise qui apporte aussi un petit côté là, sympa. Mais le chocolat noir, laisse tomber, c'est trop bon. Très bien, bon bah écoutez, nos oignons, c'est bon, ils sont prêts. On va écraser notre ail. Là, on est toujours sur la première recette, sur les sakou. Et t'as pas épluché ce avec... Mais si, justement, Tinigrifi, mais du coup, je le retrouve pas là. Donc, si je le trouve pas là, c'est que voilà, j'arrête de chercher, je sais qu'il est de... Je l'ai oublié. Ouais, alors, autant vous dire, les gars, que pour la semaine du 12, là, du 12 au... ouais, alors je vais prendre le strict minimum. Bon, vous allez voir, ce sera des recettes sympas quand même, hein, mais voilà, je vais pas me... Pouf. Je suis en train de changer en fait, j'avais des idées et tout, mais il fallait prendre une tonne de je sais pas trop quoi, essayer ça, j'ai dit non, c'est bon, au revoir. On redéplace. Bonjour gentil toutou, comment ça va? Bichon maltais, ça marche? Ouais, millefeuille au chocolat, c'était super bon. Et du coup, notre granola, on a mis de... En fait, j'ai réussi à faire un pâte feuilletée protéinée. Bon, il y a toujours du beurre, mais au moins on a récupéré de la protéine avec la farine de lupin. Ouais, il faut que je continue à augmenter les quantités. Bon, du coup, écoutez, ça sent super bon. Ok, c'est juste de l'oignon, des échalotes et de l'ail, mais ça sert. Ouais, c'est l'épluche tomate, Vince, que j'ai oublié de... Je pense qu'il est de l'autre côté, en fait. Sauf si je le retrouve là, bientôt, mais je vais pas chercher là. Là, je vais pas chercher... Tant pis. Un bras, mes bras, ils sont où là? Bon, je vous montre, hein, pour l'instant, ça ressemble juste à des oignons et... oignons, échalotes. Alors, donc là, je retire. Du coup, on va mettre des cacahuètes. Alors, juste avant le stream, j'ai fait torréfier les cacahuètes. Voilà, on va en mettre un petit peu. Et tu passes à table. Ouais, pas de soucis, ça marche, Lola. Merci d'être passé. Merci. Ouais, bonne soirée à toi. Bonne soirée à tes enfants aussi.
Et donc, oups, croque-monsieur toute la semaine. Non, du tout, les gars. Non, du tout. Déjà, en fait, il y aura le stream les pâtisseries orientales. Ça va être bon. Ça va être bon. Hop. C'est bon, je suis fixée sur mes pâtisseries. Je sais lesquelles on va faire. Hop. Alors, attendez, ça. Voilà, donc je garde un petit peu de cacahuètes parce qu'on va en avoir besoin pour faire la sauce pour l'espèce de rouleau. Voilà. Du coup, je mets des cacahuètes. On va mettre un petit peu de sucre. Ouais, il fallait des pickles, mais j'ai pas de pickles, donc tant pis. Et puis, on va mettre un petit peu d'eau. Et puis, ça sera bon, en fait. Mais c'est bizarre, hein. Il n'y a rien d'autre. Hein. Bon, bah écoutez, on va voir. Hein. Ok. Allez, on va faire revenir ça un petit peu. Et puis voilà. C'est chelou quand même. Hein. Après, je veux bien, j'ai pas les pickles de radis, mais bon, c'est pas grave. Ouais, bah écoutez, tant pis, on verra bien, hein, je vous dirai. Et tu, je vais faire quoi? Actuellement en train de... Tu jeûnes toi, Nat Grenelle? Ah mais tu fais le ramadan, c'est ça? Ouais, merci Lola. Encore un truc que je ne connais pas, je les aimante des tomates, c'est très bien pourtant. Oui, là du coup il fallait que j'ai. Faut que je vais les peler en fait. Je voulais les peler, mais en fait du coup je vais pas le faire. Et donc ouais, tu fais le ramadan. Il y a aussi le charpée. Arrête, j'avais un charpée quand j'étais plus jeune. Mais du coup, en fait, on s'est fait piquer en Tunisie. Je pense que vous avez jamais vu ce genre de chien et tout, du coup on s'était fait piquer. Ouais. Mais t'es pas resté longtemps, hein. Dégoûté. Ok, donc là en fait je m'attaque à la recette de la soupe. Hop. Donc je coupe des petites tranches de gingembre. Allez, l'équivalent de 5 tranches parce qu'on va faire une petite soupe, hein. On va pas en faire une grosse. Oui, mes gâteaux. Nat Granola, oui, on va faire des gâteaux, mais en tunisien. Et en fait, on va faire mes gâteaux préférés. Ouais, désolé les gars. Ouais, les charpées, ouais, grave, avec leur, tu sais, l'espèce de truc là, enfin bref, leur grain, leur truc là, les bourrelets, pardon. Hein. La tablette 100%, non, Loulou, elle est toujours là. Non, du tout, les gars. Ouais, non, elle est toujours là. Hein. Mais bon, on la cuisinera, ne vous inquiétez pas. Je la cuisinerai, je la mangerai, mais pour l'instant, non. Et c'est quoi, tu fais comme... Attends, j'ai pas compris, Safirane, pour ce soir? Pour ce soir, merci Baloulou. Quoi? Ah ouais, triste. Non, pas triste. Attends, tunisien. Oui, ça va être les pâtisseries tunisiennes. Oui, c'est exactement ça. Du coup, il n'y aura pas de baklawa ou des choses comme ça, les gars. Bon, c'est pas grave, on avait déjà testé l'an dernier. Mais ça va être très bon. Ça devrait être très bon. Et comme ça sera la seule fois quand même où on en fait, les gars, comme il faut du beurre ou des choses comme ça, nous mettrons du beurre. Voilà. Bon, bah les gars, c'est bon. La préparation pour le sakou est prête. Autant vous dire qu'il voilà, il n'y a pas d'épices, il n'y a rien du tout. Donc voilà. On verra, je vous dirai. Ok, je laisse refroidir et après on fera les boulettes. Et on enrobera de tapioca. Un chien pas repassé. Ouais, c'est exactement ça, Vince. Ouais, merci Nat Granola. Ouais, grave. Bon, là, je me ferai. Oui, on va se faire plaisir là. T'as des voisins qui t'ont apporté. Merci pour le follow. Merci Toon NG. Merci, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue sur la chaîne. du coup, c'est la cuisine que t'aimes bien? Shorba, ouais, Doom. Alors, shorba, du coup, c'était la. Ouais. Beurre, sucre, huile égale gâteau oriental. Exactement. Du miel, attends, fleur d'oranger. Je rajouterai fleur d'oranger, miel et semoule. Semoule fine. Qui t'ont apporté des plats du Moyen-Orient hier soir? Samosa, soupe de mouton épicée et falafel. Alors, Florian, t'as aimé ou pas? On est tous d'adieu. Granola, c'est clair. Arrête, ce que je disais en fait sur stream d'hier, il y a les macroudes là qui me font de l'œil, laisse tomber. Parce qu'en fait, là j'ai une boulangerie là, et même en fait où j'étais tout à l'heure, enfin bref, chercher des trucs. Du coup, en fait, t'as toutes les pâtisseries orientales, et laisse tomber, ça m'appelle. J'ai dit non. Ouais, c'est ça, à des gâteaux bretons comme le. comme le Queen Naman. Donc les gars, on y va. Alors, je vous explique donc pour le... alors, attendez, ça c'est pour le... Je sais pas si je le prononce bien, hein. C'est pour le Tom Kagei. Du coup, nous allons avoir du lait de coco. Bon, il me reste du lait de coco. J'en ai pris un autre, en fait. Celui-là, il est allégé, en fait. Il y a beaucoup moins de calories. Hein, ça sera mieux. On est d'accord pour le soir. Macroude, ouais, c'est ça. Et bien, Nat Granola, c'est bon. Là, je vais faire les macroudes, les gars. Et donc, on parle du hot dog. Mais pourquoi les carottes... Ah, pourquoi les carottes sont oranges? Mais pourquoi donc?
Mais pourquoi donc? C'est pas parce qu'il y en a un qui a voulu se la péter auprès de la maison orange. Alors du coup, hop, donc là je vide mon lait de coco. Je vais garder cette autre moitié qui va me servir tout à l'heure. Ce sera pour refroidir le mélange. Et on va mettre un tout petit peu d'eau. Hop. Voilà. Donc ça part en cuisson. Hop. Et je vais mettre l'eau à chauffer pour qu'on fasse cuire notre vermicelle. Ça sera pour notre roll. Et je fais aussi le tomcat triste. Ah excellent jeu de mots. Non, non, c'est la gaieté et la joie et la bonne humeur. Ouais, on fait tout ça. Oh là là. Vous savez, je suis désolée, ça me fait penser. Bref, non, je vais pas en parler parce que du coup, c'est pas bien de faire ce rapprochement. Du coup, là, on est bon pour les boulettes. On attend que ça refroidisse. Et là, on s'attaque au mélange. Donc, il nous faut, j'ai dit citronnelle, galanga. Alors, on y va. Donc, on va mettre notre gingembre et la citronnelle dans le coco. Hop. Voilà. Les samoussas en forme de cigare, j'aurais pu faire un massacre. Alors attends, pourquoi le melon? Ouais, je sais, non, ah ben le melon, non, je vais pas vous faire le melon à chaque fois, hein, les gars. Je suis juste impressionnée par la performance de mes élèves, c'est juste ça. Mais bon, après, c'est moi aussi qui cherche en fait. C'est moi qui cherche en fait. qui vais chercher en fait. Ouais, donc du coup, bah en fait, bah, ils m'éclatent quoi, ils sont. Bref. Mais attendez, alors par contre au niveau du comportement là clairement c'est bon, là on est reparti la semaine dernière, la semaine bleue, je pense que c'était exceptionnel. Là on est reparti dans relou et massacre. Et donc les cigares, ouais les je suis d'accord, les samosas en cigare c'est trop bon. Il y a 15 Maya dans Maya, c'est pour ça qu'elle parle autant. Ouais, c'est parce qu'en fait j'ai pas parlé de la journée, mais si j'ai parlé avec les élèves, du coup j'ai parlé un peu avec les collègues. Ouais, mais ce midi, ouais, je suis pas. Non, j'avais pas mal de taf ce midi, donc du coup, j'ai pas. Ouais, bref. Et donc, à Florian, logique. Ouais, ça c'est clair, c'est trop bon. C'est trop trop bon. Oui, et donc, notre granola, on a fait feuille de brique. J'ai fait une feuille de brique maison samedi. C'était plutôt pas mal pour la première fois. Plutôt pas mal. Ok, donc on a notre galanga. Donc, à la place du galanga, on a mis du gingembre, on a notre citronnelle. On attend que ça arrive à ébullition. Et ensuite, après, on va rajouter le poulet. Alors, le poulet, il est là. Du coup, j'ai pris un filet de poulet que j'ai divisé en deux. Donc, il y en a un qui va aller dans les spring rolls. Spring rolls, je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas des spring rolls, mais voilà. Des rolls là aussi. Hein. Ah, notre granola. Attention, on pourrait croire que tu cries. Ah, mince, c'est Moubot encore. Ouais, désolé, notre granola. En minuscule. Donc, ça, voilà. On va avoir des crevettes et du poulet. Et donc là, en fait, j'ai fait des petites tranches de poulet. Et c'est ça qu'on va mettre dans la soupe. Dans la soupe. Ouais, et ils ont collé ma photo sur la vitrine. Je suis interdite d'approcher pour ma tête. Ouais, c'est trop bon. Donc, thon, poulet, patate, notre granola. Non, du tout. En fait, dans la feuille de brique, du coup, j'avais fait une farce, en fait, avec des ingrédients qui me restaient dans le frigo. Du coup, on avait fait carré zéro, olive noire et tomate. Voilà. Mais du coup, voilà, c'était feuille de brique maison et c'était Doom qui m'avait imposé les feuilles. Ouais, bref. Bon, c'est décidé. Dorénavant, je vais m'atteler à faire en sorte de récupérer les 30 000 points de chaîne afin de choisir l'ingrédient de mon choix. Et cet ingrédient sera le caviar. Alors, Samuel, je tiens à te calmer tout de suite. Tu me demandes... Ouais, les gambas, McLovin, grave. Oui, ouais, grave. Alors, comment te dire? Le caviar, je te dirai non. En plus, j'ai vu que c'était super à la mode, mais en fait, j'ai pas le porte-monnaie. Il y a pas de souci. Ou alors, ce que tu fais, tu me fais un don avant et après, tu demandes le caviar. Si ça te va. Ouais. Alors, hop là. Voilà. En plus, j'en ai goûté une fois. Une fois. Tu sais quoi? Ou sinon, je t'achèterai les œufs de lin puis je te ferai croire que c'est du caviar. Hein, on peut faire ça si tu veux. On peut faire ça, je prendrai des œufs de lampe noirs. Et je te montrerai pas le... tu sais, Maya l'arnaque, voilà. On fera ça alors. Voilà, donc dans la suite de la recette. Donc là, on est toujours sur la soupe. Donc coco et tout ça. Donc on mettra le poulet et ensuite on rajoutera le lait de coco restant. Très bien. Et une fois que ça sera fini, il faudra mettre le piment. Donc nous allons éplucher ce piment et nous allons faire un petit point nutrition sur le piment. Ouais, il a bien choisi à faire les bourrecs. Ouais, c'est clair. Oui, c'est clair. Je sais pas quel goût ça a. Attends, Florian, c'est quoi? Le caviar? Hein, tu feras le don?
arrête Samuel, arrête, non non du tout, arrête, non non du tout, bah le caviar écoutez, on verra ça plus tard, vous savez quoi, si je passe directrice si vous voulez on achètera le caviar, mais pour l'instant ça sera 600 euros en plus par mois, donc peut-être, ouais mais bon ça c'est pas gagné, ouais il faut, on croise les doigts, hein, on espère que personne ne demande de l'école pour le premier mouvement, très bien, donc du coup nous allons faire un petit point nutrition sur notre très cher piment. Donc c'est un cocktail, attendez, voilà, cocktail de vitamines. Vous avez plein de vitamines, vitamine C, vous avez de la vitamine E, c'est quoi qui est très iodé? Ah oui, au niveau du goût, ouais, c'est vrai que c'est hyper iodé. Voilà, donc en tout cas ce qui est intéressant, donc vous avez des minéraux, tout ce que vous voulez, d'accord. Donc ce qui est hyper intéressant dans le piment, c'est la capsaïcine, la capsaïcine, en fait du coup c'est un truc qu'il y a dedans. Et en fait qui va créer, en fait ça va jouer un rôle de brûle-graisse, d'accord. Et en fait, je sais pas si vous connaissez l'histoire des graisses brunes et des graisses blanches. Donc plus on a des graisses brunes et plus on brûle de calories. Salut jolie, comment ça va? Et donc les graisses brunes les gars, si vous voulez en avoir de plus, enfin voilà, donc la graisse blanche vous savez c'est la graisse qu'on a en fait, hein. Graisse brune en fait c'est celle qui va nous permettre d'éliminer plus. Et donc si vous voulez accélérer votre métabolisme et créer plus de graisses brunes, douche froide les gars, douche froide. Ouais, pendant allez, 30 secondes le matin, hop là, douche froide, et donc du coup ça va créer l'espèce de thermogenèse au niveau du corps, et du coup en fait les graisses blanches vont se transformer en graisses, enfin bref, il y a une histoire de ça se transforme en brune, voilà, et donc du coup vous éliminez plus, voilà. Donc le piment faut en manger, par contre si vous avez des soucis au niveau de, voilà, de l'estomac et tout, on évite, hein. Voilà. Et donc la poutargue c'est meilleur, ah en plus la poutargue je sais où en acheter. Du coup, j'avais vu que le petit morceau, quand même, il coûtait 10 euros, hein, je crois. Hein. Ouais, coucou, joli, merci. Achète du champ, c'est mieux. Ouais, donc une fois j'en ai goûté, effectivement, bah Loulou, t'as raison, c'est iodé. Et, bon, j'en ai pas un souvenir impérissable, en fait. Hein. Hop. Alors, du coup, on va vider notre piment. Et lui, il va aller en gros quartier, en fait, dans la soupe. On va le mettre, on va le faire en diagonale. Attendez, je vais le vider. Bon, bien évidemment, hein, cru hein, pour récupérer tous les nutriments. Mais bon, si vous voulez croquer là-dedans, allez-y. Qui fait du bruit? Ah, donc c'est bon, on est à petite ébullition. Très bien. Nous allons mettre le reste de coco et notre poulet. C'est parti. Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Et maintenant, on va baisser le feu. Vous avez vu les gars, hein, attention, très ordonné et tout, attention. Hein. J'ai rien compris. Capsaïne, c'est juste des... Ouais, qu'il faut... Mais exactement, en fait. Donc, du coup, en fait, ton corps, il va avoir super chaud. On a deux graisses, Vince. En fait, on a la graisse blanche et la graisse brune. D'accord. Et en fait, donc, la capsaïne, en fait, ça va t'aider à transformer les cellules, en fait, ton tissu graisseux adipeux, le blanc, en graisse brune. Ouais, voilà, bon c'est un peu compliqué mais... Donc c'est hyper bien. Et donc tu es une personne de la famille de Dame Chine. Ouais, tu m'étonnes, c'est clair. Hein. Bon, après les gars, la graisse brune, on n'en a pas tant que ça. Hein. C'est surtout quand on est enfant qu'on en a. Voilà, c'est pour ça qu'ils éliminent plus souvent que nous les adultes. Hein. Donc voilà, en tout cas, voilà, c'est intéressant de le savoir. Vous le savez maintenant. Voilà, et donc douche froide, en fait, du coup, ça accélère le métabolisme et ça... ça stimule ses graisses brunes en fait, voilà, et elle bouge la casserole à main nue, ouais, petite ébullition. Je demanderai une capeline, ah c'est quoi une capeline grise? Attendez, je connais pas les gars, j'ai pris gros piment hein, pour pas que ça pique de trop, sinon il y avait les mini piments, mais non les gars, je peux pas, 27, ah Tini Griffith, c'est pas la police qu'on appelle, c'est le FBI, salut Stracounet, comment ça va? J'adore quand vous rentrez comme ça et tout. Ouais, je suis trop contente. Comment tu vas? Ouais, ça va. Et donc, Vince, et je demande... Ouais, je sais pas ce que c'est qu'une capeline grise. Bonsoir, Exomètre, comment tu vas? Ouais, c'est quoi une capeline grise, les gars? Les piments oiseaux? Non, bah Loulou, non. On va y aller mollo sur le... sur le piment. Voilà, donc du coup, j'ai fait... Bon, normalement, c'était vert. Enfin, non, c'est pas vert. Mais le rouge, du coup, il va mettre de la couleur. Allez, donc là c'est bon, on le met aussi dedans. Alors attendez, j'attendais. Lait de coco c'est bon, donc maintenant on met le piment. Ok. Normalement ça devrait être bon. Ensuite, l'autre chose que je n'ai pas trouvé, ce sont les pleurotes. Ouais, ça va nickel, Exomètre. Donc ce sont les pleurotes, les gars.
J'ai cherché des pleurotes, donc il fallait des pleurotes thaïlandais. J'ai pas trouvé, j'ai demandé, hein, mais il n'y avait pas. J'ai regardé les pleurotes, il n'y en avait pas. Donc du coup, j'ai pris des champignons. Champignons, vitamine D. Voilà, mais bon, bah écoutez, on va faire avec ça. Je pense que ça sera très bon quand même. On a tout petit rhum arrangé plus piment d'oiseau. Ah là, bah loulou, mais je décolle. Hein. Attends, t'as vu la semaine dernière que juste en reniflant le cognac, hein, l'effet que ça a fait. Là, je décolle. Hein. Ouais, salut Strykounet. Bah c'est cool de te voir. Et ça se mange en effet, je ne demande pas car c'est... Ah non, pas de la tête de veau. J'ai déjà fait Vince la tête de veau, tu sais. Non. Non, les gars. Merci. Merci de penser à mon repas. Vous savez quand vous me proposez les ingrédients. Ouais. Et donc, voilà, pas d'amandes, des champis. Ah, les champis, c'est mieux. Bah voilà, Tini Griffy. Il y a des cacahuètes, je suis désolée. Il y a des petites cacahuètes. Hop. Et après, donc, on va mettre les champignons et on terminera avec les la tomate. Donc, du coup, on va éplucher. Bah, il faut éplucher la tomate. Bah, écoute, on va l'éplucher. Je vais essayer. Essayons. Malgré le fait de ne pas avoir, écoutez. Ben oui, et bah écoutez, quand on essaie, qui n'essaye pas, hein, qui ne tente rien n'a rien, on est d'accord. Et donc, tu pars sur ma... Ouais, non mais là, Baloulou, c'est clair. Là, c'est clair, je décolle de fou. Qui m'a parlé de petit ponche aujourd'hui? Bah, c'est à l'école qu'on m'a parlé d'un petit ponche. Bah tiens, c'est bizarre. Je suis désolée, Tini Griffy. Épluché. Ouais, t'as vu notre grande... Ouais, c'est pour enlever la peau. T'as vu, du coup, ça marche. Mais normalement, en fait, je pensais... Bah, je savais pas que ça marche avec lui. Bon, en fait, les gars, hein, juste vous prendre un économe comme ça, ça marche. Hein. Y a pas besoin d'avoir l'autre, là. Ouais. Je sais, mais je ne demanderai pas, Maya, je ne suis pas un sauvage. Attends, de quoi tu parles? Attends, Vince, de quoi tu parles? Pour la tête de veau. Merci, c'est gentil, merci. Merci. Salut Whitman, comment ça va? Comme dans mon roman préféré, je suis ton Roméo, toi ma Juliette. Oh, merci, c'est gentil, merci. Merci, t'as été gentil, t'as adoré. Hop là. Qui m'a parlé de petit ponche? Attendez, je vous promets, il y a quelqu'un qui m'a parlé de petit ponche. C'est en train de me perturber. Pourquoi on m'a parlé de ça? Ah non, c'était pas aujourd'hui, c'était hier, c'était ma grand-mère. Ah oui, elle était chez des amis, elle me dit qu'elle se faisait un petit ponche. Ah mais non, c'est ma grand-mère, c'est pas... D'accord, ok, c'était pas aujourd'hui. Voilà, bon bah en tout cas, je savais qu'il y avait une histoire de petit ponche. Bon bref. Donc les élèves, sûrement qui te parlent de... Non, je sais, non, vous savez de quoi ils parlent mes élèves? Donc ce matin, c'était Zizi. Alors j'aurais dit, écoutez, donc il y en a un qui s'amuse à dire Zizi. Je lui dis, écoute, y a pas de souci, tu peux dire Zizi, mais du coup, ça a l'air de déranger un peu tes camarades. Donc... Je lui ai expliqué, il y avait tout le monde qui était autour. Je lui ai dit, écoute, tu vois, tous les garçons qui sont là, vous avez tous des zizi, d'accord? Ah oui, c'est pour ça. Parce qu'en fait, il a dit qu'il y avait le bras d'une élève qui ressemblait à un zizi. Donc j'ai pris le bras de l'élève et je lui ai dit, tiens, est-ce que tu trouves que ça ressemble à ton zizi? Et en fait, il m'a dit non et depuis, il n'y a plus le mot zizi. Voilà, salut Damshin! Ah, tu fais ton sport, yes! Ouais, mais le poète, c'est clair! Ouais, c'est clair. Oui, t'as vu Fiche. Ouais, ben c'est... Et donc, en fait, donc il me parle de Zizi. Et après, il reparle de Tété. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Je lui dis, t'as un souci là avec Zizi Tété? Donc, à 11h30, sa maman arrive. Mince, encore, ça refait ça. Donc, sa maman arrive. Je l'arrête sur le devant. Je lui dis, alors, on parle à maman maintenant ou on attend de voir cet après-midi à la récréation comment ça se passe? Donc il n'a pas répondu, je lui dis très bien, je lui dis écoute, on verra cet après-midi comment ça se passe à la récréation. Du coup il n'y a pas eu de zizi ni de tête. Ouais voilà, bon bref vous savez tout. Mais c'est après, oui, bah oui, enfin c'est le plus jeune, vous savez, c'est celui qui est un petit peu surdoué là. Ouais, qui est, bah, il a le cerveau d'un élève de CE2 CM1, mais les réactions d'un petit bébé quoi, il sort de grande section quoi. C'est fou. Ouais, t'as vu Samuel? Ouais, non mais grave. Non mais c'est clair. Ah, yes! Ah, Vince, le poète, c'est pour... merci. Ouais, t'as vu notre granola? C'est comme ça que tu le... Ouais, la meutre chante. Bah oui, tu m'étonnes. Donc du coup, j'ai pas eu tout sur récréation, ça, vraiment. Ouais, non, il est surdoué. Enfin, surdoué, non, il a... Ouais, si, il est très bon. Enfin, c'est un truc de fou, hein. Ouais, il est excellent, quoi. Ouais, il est excellent. Vive les enfants. Ouais, vive les enfants, qu'il disait. Ouais, c'est clair. Tu m'étonnes. Bah, attendez, je termine ça.
Non mais voilà, on entend de tout. Oh là là. Mais non, mais écoutez, ouais, ils sont. Donc attendez, on va retourner à la piscine. Autant vous dire que je pense qu'il va y avoir des. Puis ils commencent à se toucher les fesses et tout. Là, bah, franchement, ils commencent à me gonfler un peu là. Ouais, et donc, mais je sais pas ce qu'ils avaient. Ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est reparti. Aujourd'hui, c'est reparti. Et donc, Vince, et donc c'est pour Damshin le poète. Ouais, merci, merci. Ouais, merci pour Damshin. Et donc, il y en a un autre. Ouais, bon, bref, on s'en fout, les gars. Très bien. Donc là, en fait, du coup, c'est en train de cuire. Là, c'est encore une histoire de fesses. Attendez, il me faut une cuillère en bois. Ouais, là, on est parti. Cuillère en bois. Non, pas là. Oui, là. Alors, faut surtout pas que ça soit en ébullition. Du coup, je vais rebaisser un petit peu. Voilà. Et donc, ouais, mais c'est en ce moment. Mais oui, en fait, tu sais, ils sont en CE1, CE2. Donc, du coup, pour eux, c'est découverte et tout. Déjà, ça avait commencé à la piscine. Voilà. Bon, enfin, après, j'avais expliqué aux parents que c'était normal aussi. Hein. Voilà. Et bon, salut Sultan, comment tu vas? Ouais, comment tu vas? Salut Pénard Pratt! Ouais, t'arrives. Attends, mais il y a eu l'histoire du zizi juste avant, Pénard Pratt! Ouais, c'est l'été, exactement. C'est le. Par contre, tu parles de qui? Nagranola, je parle de mes élèves, c'est à mes élèves. Là, c'est les histoires de mes élèves. Moi, je gonfle. Attends, c'est quoi? Il y a des Kevin au. Attendez, j'ai pas compris, Baloulou. Des Kevin? Il y a des Kevin à l'école, tu veux dire? Non, mais c'est des enfants, en fait. Du coup, ils découvrent le corps, quoi. Ouais, à la piscine. Oui. À la piscine, elle... Ouais, ouais, ça date, mais le granola. Donc, du coup, bah, maintenant, il reste la récréation, quoi. Pour se touche-touche, quoi. Et il n'y a pas d'enfant surdoué. C'est surtout la moyenne qui est bête. Il suffit de voir les adultes. Alors, en fait, là, un score dans cet élève-là, en fait, du coup, c'est un truc qu'on fait passer, ça s'appelle le whisk, et en fait tu détectes les enfants à haut potentiel, et du coup lui il est enfant à haut potentiel, c'est à dire que bah tu vois en fait il est comment dire, tu lui dis une fois, en fait il a une mémoire de fou, en fait tu lui dis un truc et c'est bon, il a compris, en fait c'est du voilà. Et donc là bah en fait il va sauter, là en fait il va sauter, il va arriver en CE2, mais en fait il peut carrément passer en CM1, et le truc c'est que en fait dans sa tête il peut pas passer en CM1, j'ai dit que c'était hors de question. Donc lui, pour le coup, il est vraiment, voilà, lui, il est vraiment, bah, ouais, au-dessus de la moyenne, quoi. Appelle la police. Ouais, non, t'inquiète, Samuel. Non, c'est normal. Astico égale Kevin. Kevin. Ouais, oui, c'est ça, il se gratte. Ouais. Oui, c'est ça, ouais, j'ai vu Kevin dans la classe. Bon, je sais pas si c'est une chance, parce que du coup, lui, par moment, il le vit pas très bien, hein, par moment. Et, en fait, ce qui se passait, c'est que quand il était au CP, il foutait le dawa, mais le dawa. Bon, là, il est hyper calme et tout, mais du coup... Il y a eu gros, voilà, il voulait être avec ses copains et tout, il a dû changer de copain, il sent pas forcément, il a des copains dans la classe, hein, mais voilà, par moment, en fait, ça le travaille, en fait. Voilà, ça travaille beaucoup, donc du coup, c'est un peu, c'est à cause de la TV, réalité. Ah non, bah alors là, oui, alors surtout que ma collègue, celle qui a la CE2, CM1, la pauvre, elle galère, pareil, la CM2, elle galère à cause des réseaux sociaux, mais il y a plein d'histoires à cause des réseaux sociaux, et surtout qu'ils regardent tous les Marseillais et tout. Donc ils sont tous en train de se gueuler dessus quand ils parlent. Mes collègues, elles en ont un ras-le-bol. Ouais, grave. Et coucou, salut Sedems, comment ça va? Oui, ça va, oui, ça va. Coucou, comment tu vas? Tout l'inverse de moi. On m'expliquait toujours 30 fois et au final, je trouvais pas. Ouais, bon, il n'y a que lui, hein. Enfin, lui, il est vraiment en plus, quoi. Après, bon, il y a les autres, il y en a qui captent super vite aussi, hein. Bon, il y en a quelques-uns un peu moins vite, mais en fait, du coup, il faut laisser juste le temps à l'enfant. Et en fait, c'est pas parce qu'il n'a pas compris aujourd'hui que, voilà, enfin, qu'il est bête, en fait. C'est juste que, bah, il faut lui laisser un tout petit peu plus de temps. Et allez, une semaine après, c'est bon, quoi. Oui, regardez. Oui, notre granola. Oui, regardez Marseillais. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Donc là, en fait, là, tu te dis, mais les parents, ils sont où, en fait? Ouais. Et faire sauter des classes apporte un souci social qu'à la maturité. Voilà, c'est ça, score. Donc, du coup, lui, on lui fait sauter qu'une seule classe, même s'il prend sauter deux. Et voilà, donc, du coup, c'est un peu délicat, en fait. C'est hyper délicat, surtout à cet âge. Et on est obligé de lui faire sauter une classe parce qu'en fait, il fout trop le dawa, le CP, c'est trop facile pour lui. C'est trop, trop facile. Mais en fait, il savait déjà lire au moins une section, donc, du coup, c'était un peu compliqué, en fait. Ouais, c'est clair, ça fait peur. Ouais, je suis d'accord, Nagranola. Ouais. Du coup, les gars, on met nos champignons. J'en ai peut-être mis un petit peu trop de champignons, mais pas grave.
Hop, on va enlever. Là, la tomate, j'ai enlevé ce qui est au centre. Oui, oui, ça fait... Tu te même les réseaux sociaux, hein. C'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Et ils sont tous sur Snapchat et tout. Enfin, voilà, il y a des... Voilà, bref, il y a des histoires un peu reloues. Et normalement, on ne devrait pas avoir à gérer ça, en fait. C'est pas à nous de gérer ça. Enfin, je sais pas, logiquement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas à nous, les enseignants, de gérer ça, quoi. C'est aux parents, quoi. Et mes parents, ils ont tous des portables, hein. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Voilà, alors attendez, ça, c'est bon. Très bien, donc maintenant, on va mettre la tomate. Et on va finir avec... Hop. Mais moi, je suis nulle en réseaux sociaux, je suis sûre qu'ils sont meilleurs que moi. Ouais, bah Vince, je suis d'accord. Après, il faut savoir... Il y a des choses qui sont hyper intéressantes à la télé. Moi, j'aime bien quand mes petits élèves, ils me disent « Ah, j'ai vu un documentaire sur ça et tout. » Là, je leur dis « Oui, c'est très bien, c'est parfait. » J'ai pas sauté les classes, je les ai... Elles sont cuites, les bananas. Merci, McDevin. Non, écoute, pour l'instant, c'est bon. Là, tout est sous contrôle. Attendez, tout est sous contrôle, les gars. Voilà, donc attendez, on a nos tomates et donc déjà que j'ai déjà peur, 2005. Ouais, mais c'est clair. Ouais, coucou John, comment ça va? Oui, je suis d'accord, les gars. Et c'est chaud, hein, je vous dis, hein, avoir des enfants aujourd'hui, c'est chaud, hein, c'est chaud, chaud, chaud. Voilà. Et ben écoutez, du coup, on a tout mis. Il me reste... bah non, c'est bon. Ici, il me reste... Pourquoi oui, il me reste un petit peu d'oignon. Alors, ça, c'est... Voilà. Donc, il faut mettre des petits oignons. On va les mettre maintenant. Salut, John. Ouais, coucou. Merci, McLovie. T'aimes bien la réaction sur... Elles sont cuitasses. Les bananas. Ok. Donc là, maintenant, on rajoute un petit peu d'oignon. Voilà. Bon, je vous montre ce que ça... Ouais, je vous montre quand même ce que ça donne. Je vais juste nettoyer un petit peu le temps de travail. Oh là là, qu'est-ce que je suis redonnée. Oh là là, les gars. Attendez. Hop, on va rincer ça. Donc là, on est bon. Bon, je pense que ça va être pas mal. Du coup, voilà, c'est lait de coco vraiment pour le Laos. Et en fait, j'ai Laos et Thaïlande. Il y a beaucoup de recettes qui se ressemblent. Oh, arrête le robinet là. Et donc le nombre d'histoires à cause du machin qui a jeté du groupe de tel jeu. Oui, c'est ça, Score. Mais c'est exactement ça. Et puis c'est surtout qu'ils se retrouvent aussi. Mais t'as raison, ils se retrouvent en fait le soir sur les jeux vidéo. Et moi, c'est quoi? Il y en a un qui est arrivé l'autre jour là, qui dormait sur sa table et tout. Je lui dis, mais dis-moi, tu t'es couché à quelle heure? Et en fait, il a regardé le match. S'il vous plaît, les gars. Mais s'il vous plaît, vous avez des gamins, vous ne laissez pas regarder le match. Je comprends pas en fait. Le gamin, il se couche à 23h. Le lendemain, il doit être taqué toute la journée, écouter la maîtresse et apprendre des trucs. Non, mais ton. Bon, après, le pauvre, il y est pour rien, mais ça m'énerve, en fait. Ouais, parce qu'en fait, bah, du coup, il n'est pas en pleine capacité, pleine condition pour passer une super journée avec la maîtresse Malia, quoi. Ou je les mouline, quoi. Ils n'ont pas le temps de respirer, les gars. Qui a Prime Vidéo, c'est quoi, c'est sur Amazon? Un documentaire sur la reproduction de la mouche en Tanzanie orientale, sympa. Je suis pas sûre que ça les intéresse de fou. Hein. Parce que tu... Ouais, c'est ça, Vin, c'est ta nuit. Attendez, on fait le plan de travail propre. Voilà. Ok, donc là, on est bon. Et je vous montre. Donc, du coup, ça ressemble... mon bras, il est là. Bon, ça n'a pas fini de chauffer encore, hein. Ah non! Ça chauffe trop vite, trop... Mince, il faut pas de petite ébullition. Ah là 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 là. Bon, bah écoutez, non, pour l'instant, je vous montre que dalle. C'est pas joli du tout. Ah, mince, le coco, il a commencé à grainer, quoi. Fallait vraiment faire... Mais pourtant, je suis à deux, je suis dégoûtée. Alors, attendez, hop, je vais rebaisser encore. Je vais mettre un 1. Bon, bah écoutez, tant pis. Fallait mélanger pendant tout le... ouais, sur Amazon, ouais, si j'ai Prime parce que du coup j'avais regardé God, je sais pas trop quoi là. Oui, du coup il y a un truc qui est intéressant. Alors attendez, les gars, du coup je pense pas que ça sera mauvais.
Ça me saoule. En plus, j'ai tout fait bien. Vous avez vu comment c'était? J'étais calme et tout. Tout était bien et tout. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. On va remettre en cuisson. Je vais rajouter les derniers trucs qu'il y a à rajouter. Bah, tant pis. Donc, on va rajouter de l'aneth. Oui, ne me dites pas. L'aneth, en fait, je vais vous dire, c'est un goût. Je vais vous dire le truc qu'il fallait à la place, et l'aneth peut être remplacé. Bref, le truc peut être remplacé par de l'aneth. Hop, non. C'est où? Non. Merci. Ah, voilà. Du coup, on va en mettre un petit peu. Donc, du coup, ce qu'il fallait, les gars, et je remplace par. Bah non, c'est de l'aneth. C'est bizarre. Donc on va remettre un petit peu, on va terminer, donc il reste encore 2-3 choses à faire. Ok, bah, on va laisser encore 5 bonnes minutes et après à la fin on va rajouter des pousses de soja et c'est bon, ça sera fini. Et un petit peu d'huile de citron vert. Voilà, bon bah les gars on attend. Ouais, c'est le problème des plaques de cuisson. Ouais, c'est... Ouais, Vince, du coup, là, je suis un peu... tant pis. tant pis. C'est moi qui mangerai, les gars. et donc, 20h30, Maxoni. Ouais, bah moi, Vince, tu sais que j'étais... ouais, c'est ça, Vince. Ouais, j'étais à... Moi, j'étais au lit à 19h. Ma mère, elle nous foutait au lit à 19h. Truc de fou, quoi. Regardez ce que ça fait. Ça fait des trous dans le cerveau, en fait. Et regardez le masque, les parents ont le même cerveau que le ballon. Bah c'est clair ce corps, mais c'est clair, surtout pas en semaine en fait. Je comprends qu'ils veulent faire plaisir à leurs enfants et tout, mais c'est pas ça le plus important. Enfin je sais pas, mais c'est les études en fait. C'est ça qu'ils ont. Il y en a certains qui n'ont pas compris. Du coup, l'eau est en train de bouillir. Donc je vais vous proposer qu'on s'attaque au yo sen kao poon. Donc nous allons faire cuire des vermicelles. Ces vermicelles là en fait, on va les utiliser en fait pour rouler. On va préparer la farce à côté. Salut Alpha Bold Jim. Ouais, comment tu vas? Moi, t'as 18 ans et je dors à 23h. Ouais, logique, hein. Enfin, je sais pas, mais logique, en fait. 3h du matin, c'est pas possible chez moi. Ah non, tu peux pas faire la fiesta, alors jusqu'à 3h. sur les archéologues français qui s'appellent les baptiseurs de l'ancien monde et qui est extrêmement intéressant. Oh yes, ça marche, Penner Pratt. Attends, du coup, je vais... hop là. Souriez, c'est les photos. C'est des Kevin Séché. Tu parles des parents? Hop là. Hop là. En plus, je kiffe. Hein. Ah, mais j'étais à fond archéologue et tout. C'était qui? Ouais, bref, celui qui avait Howard Carter et tout. Ouais, merci, Bena Pratt, j'adore. Et toi, Maya, c'est comment? Moi, c'est Vince. Et toi, Maya? Moi, c'est Maya. Ah, attention. Non, j'ai pas compris, c'est des Kevin Séché. Ah, les Kevin, c'est les verts, c'est ça? Ouais, ça marche, Penner Pratt. Mais je vais regarder. Ah, mes vermicelles. Ouais, je suis désolée, Maloulou. On est lundi soir. Yao, Tazo, Boon. Attends, Yao, Sen, Kao, Poon. Alors, on y va. Donc, les gars, du coup, les vermicelles de riz. On va faire un petit point sur le vermicelle de riz. Mais du coup, en fait, c'est pas... Donc, c'est fait avec de la farine de riz, du coup. Alors, donc, la seule chose qui est intéressante à savoir, c'est que du coup, ça fait grave monter le taux de glycémie. Donc, si vous avez des petits soucis, on ne prend pas de vermicelle de riz. D'accord? C'est un peu comme les pâtes blanches, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Donc, du coup, ça fait grave monter la glycémie. Et pour les sportifs, c'est pas super intéressant parce que du coup, bah, on va pas avoir l'énergie qu'on aura besoin pour tout l'effort. Voilà. Donc, c'est la seule truc à savoir. Et ouais. Bon, au niveau des calories, on est comme sur les pâtes, hein, pour 100 grammes, 350 calories, et vous avez pratiquement que des glucides. Ouais, oui, ça va, Papa Jim, ouais, ça va nickel. Alors, on y va, on va essayer d'en faire une petite quantité. Je vais pas en faire beaucoup, hein, on va juste faire un roll. Hein. Et j'en ai vu des violets, j'ai hésité, parce que je me suis dit, c'était à la patate douce. Hein. J'ai vu des vermicelles violets. On va déjà finir cela et puis avant d'attaquer les vermicelles violets. Voilà. On y va? Du coup, je me suis présentée. Ah, Vince, je suis désolée, j'ai écorché ton pseudo. Mince! Ne dormez pas beaucoup la nuit, mais dormez plusieurs fois dans la journée. Ah, c'est vrai, c'est Dems! Ah, bah donc, du coup, je suis sauvée. Alors, le week-end, je fais des siestes. Je suis sauvée. Et ça a changé ici, BFM Maya. Ouais, t'as vu notre granola? Oui, il y a eu des petits changements. Attends, regarde. Et attention, quand il y a des Kevin qui passent sur la chaîne, genre la place de la femme, c'est en cuisine. Alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Ouais, voilà.
Donc oui, il y a eu des petits aménagements. Et regarde, il y a ça aussi. Donc c'est pareil, c'est quand les Kevin y passent. Tu peux con. Voilà. Voilà, donc du coup... Et sinon, il y a quand on mixe... Du coup, je refais tout mon stream deck, je suis désolée les gars. Merci Wonderlove pour le follow et bienvenue sur la chaîne. Et donc, par exemple, quand je mixe, il y a ça. Donc ouais, il y a eu des petites améliorations. Bonjour à Dream to Noir. Ouais, non, c'est pas à la fin. Non, non, à Dream to Noir, tu peux t'installer. On n'a pas fini encore. On a... qu'est-ce qu'on a qui est prêt? Bah rien. Voilà. Donc c'est bon, t'inquiète, tout est bien, 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 pas de soucis. C'est la tasse. Ouais, bah oui, Lynn, tu sais, t'as des gars qui passent et qui disent... bon, on va pas se faire tout ça, les gars. La place de la femme. T'es à ta place, tu vois, genre des trucs comme ça. Hop là. Mais j'ai ma place aussi à l'école. Hein. Pas qu'en cuisine. Donc écoutez, on va faire ça. Je vais voir la quantité que ça fait, sachant que je veux pas tout. Je sais pas, on va voir. Et donc, alerte Google. Ouais, t'as vu, fiche. Ouais, merci la granola. Merci. Ok, ça marche. Donc du coup, tu mets et après tu prépares. Ouais. Tu es passé de 10 à 45. Tu parles de quoi? Attends, tu parles de quoi les bonnes granola? Ok. Et donc, télétravail, ouais. Elles sont cuites, les bananes. McLovin, arrête! Du coup, ça va être, je sais que dès que j'ai les cuites, c'est McLovin. En fait, de tout ici, on peut te cuisiner, des ragots, de la culture. Ouais, c'est exactement, mais c'est ça, exactement, c'est dance, exactement. Voilà, c'est exactement ça. Du coup, on passe les moments ensemble, c'est exactement ça. Du coup, on va faire cuire nos vermicelles de riz. Ouais, il y en a partout, les gars. Et on va former nos boulettes, parce que là, je pense que le mélange a bien refroidi. On va faire nos boulettes et on va enrober avec des perles de tapioca. Et on va parler des perles... Alors, perles de tapioca, c'est un peu comme les vermicelles de riz, il n'y a pas grand-chose à dire. c'est fait en fait à partir du manioc, en fait, du coup. C'est pas très calorique. Ouais, du coup, j'ai été surprise, c'est pas très calorique, donc c'est plutôt sympa. Voilà, de toute façon, on va pas en utiliser beaucoup pour... on a à peu près 110 calories. Et du coup, nous n'avons pas de lipides. On n'a pas de lipides, les gars. Et on a juste des glucides. 27 grammes. Ça va, c'est pas mal, hein? Donc ouais, c'est pas mal. Il n'y a pas de vitamines, il n'y a rien du tout. Ah, 10 à 45. Ouais, attends, et notre granola, le week-end, du coup, je monte un petit peu plus. Hein. Ouais, et donc, abonnés. Ah, les abonnés, ok, d'accord. Donc, attends, donc, Baloulou, tu disais les abonnés. Et donc, notre granola, tu dis les viewers. Ok, d'accord, ça marche. Ouais, ça marche. Il dit ça alors que la cuisine, c'est la meilleure chose. Ouais, c'est clair. Chocolat et beurre de cacahuète. Mais notre granola, c'est bon. Chocolat, je suis entièrement d'accord. Beurre de cacahuète, ouais, c'est juste trop bon. Trop bon. Et d'ailleurs, j'ai aucune inspi sur ce que je vais manger ce soir. Ah, bah du coup, ça dépend de ce qu'il y a dans ton frigo. Hein. Ouais, c'est ça, exactement, Miss. Ouais, t'as répondu à ma place, c'est exactement ça. Écoutez et faire le manger en même temps. Ouais, bah oui, bah ouais. Bah ouais, très bien. Alors, du coup, les gars, donc on reprend pour faire nos sakus. Donc le sakus, on va cuire à la vapeur. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller chercher une feuille de bananier. Comme ça, du coup, on va le mettre en dessous du truc. Et nos boulettes, comme ça, elles ne vont pas coller. Je ne sais pas, en fait. Non, j'ai trop peur, là, si je mets directement les boulettes sur ça. Attendez. Feuille de bananier. En tout cas, je tiens à dire que j'ai acheté ces feuilles de bananier. Donc, le sachet à 2 euros. Ça m'a fait, je ne sais pas combien de streams. T'as 35 000 points. Ah ! Alors, tu vas utiliser, Sultan ? Ouais, tu vas utiliser ? Samuel, ouais, je fais de fou. Attendez. Du coup, attendez, on va en prendre. Je vais prendre un petit morceau pour la présentation aussi, comme ça sera fait. Attendez, ça. Voilà. Très bien. Donc ça, tu viens ici. Voilà. Donc on mettra nos sakus ici. Et du coup, on va garder juste un petit bout là que ça décongèle. Pour la présentation, voilà, parfait, ciseaux, couteau, comme ça, ciseaux, comme ça, ah, je déconne, non mais n'importe quoi, je regarde pour rien,
Bref, donc une viande. Arrête de parler, j'ai faim, on est prêt. Ouais, je sais, Rims. Ouais, mais t'inquiète, ça se prépare, ça se prépare. Là, les sakus, les boules de sakus vont être prêtes. Du coup, on aura même la présentation. Là, on s'est même occupé de la présentation pour les sakus. Hop. Et la soupe est bientôt prête, les gars. On a juste à la fin. Donc là, en fait, je vais arrêter le feu. Et il faudra juste mettre des pousses de soja. Et on sera bon. Et jus de citron. Donc on aura deux plats qui seront prêts, Rims. Deux. Attention. ok. Alors du coup on va faire nos boulettes. On va tremper dans les pernes de tapioca. C'est la première fois que j'en mange. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Salade de champi. Ah, salade de champi pour toi. Ouais. Et donc t'as un arbre au congélateur. Ouais, c'est exactement ça, ma Clovine. Mais du coup ça m'a servi de fou. Hein. J'ai fait plein de streams avec. C'est parti les gars. Allez. Et donc je vais essayer de trouver un truc à Vince. Ah ouais, ça marche. Merci Vince. Et tu as imité le cuisinier bizarre, la Noko, celui qui dit tout ce qu'il fait. Attends, j'ai pas compris Pénard Pratt. J'ai pas compris. Ouais, j'ai pas compris. Des os connaît pas. Ah les légumes. Ah Dream Tinower, tu connais pas les légumes. Non mais attendez les gars. Attendez, on fait les petits points nutrition exactement pour vous motiver à manger des légumes et pour que vous voyez que c'est hyper sain pour votre corps. Il faut en manger, il faut en manger, il faut en manger. Hein? Allez, je rigole. et tu fais revenir les champignons. Ok, let's go. Et les feuilles de bananier, je les paye pas, j'en ai dans ma cour, ça sert beaucoup. Ah, trop bien. Dans ton aquarium, amazonien. Et t'as quoi dans ton aquarium? Ne me dis pas des serpents, les gars. Alors, mes vermicelles, ils sont comment? En fait, ça cuit super vite, donc du coup, il faut que je fasse attention. Vermicelle. Bah, écoutez, ils sont prêts. Je vais quand même goûter, en fait. Mais ça cuit super vite, ça cuit en 2 minutes. Non, encore un petit peu. Ouais, en fait, encore une ou 2 minutes. Les gars, j'éteins. Donc, en fait, il faut éteindre le feu pour la soupe. Rajouter des pousses de soja. On y va, on va les jeter. Et en fait, pour moi, cela pour de récupérer 30 000 points de chaîne, car tous mes points... Ouais. Ouais, je sais, je suis désolée. Du coup, c'est Tintin. Ben oui, les récompenses, c'est Tintin. Non, ouais, le chat, c'est à moi, c'est mon goûter. Et d'ailleurs, bébé, il m'a même pas demandé sa pâtée. Ah bah tiens, ah bah oui. Merci, ouais, voilà, bah écoute, voilà. Très bien. Donc écoutez, la soupe est prête. Enfin, la soupe, le... attendez, je vais pas mal prononcer. Le tom kha gai est prêt. Du coup, on va juste mettre un petit peu de couleur, on mettra un petit peu de vert. Et normalement, il faut de la coriandre, les gars, mais je n'aime pas du tout ça. Nous, on mettra juste un petit peu de ciboule par-dessus. Et je termine. Une cuillère à soupe de jus de citron. Vert. Hop. On y va. Voilà. Très bien. Bon, bah écoutez, il faut le laisser sur la plaque. Donc, on va laisser sur la plaque. Et après, on le mettra. Hop. Hop. En présentation. Très bien, on va rouler nos boulettes. On veut voir le... Ouais, je sais, notre granola. Alors du coup, là il est passé, ces derniers temps il est passé. Pendant un moment il avait bien disparu. Là il est passé et quand tu as coupé au ciseau, tu as fait... Ah, ciseau coupe-coupe, ouais. Ah, t'as remarqué à la fin. Ouais. Ouais, grave. Du coup, donc là on forme nos boulettes. Je vais vous montrer. Hop. Donc là, c'était les boulettes qu'on a fait au début. Donc je vous rappelle, il y avait oignons, échalotes, des cacahuètes. C'est bien avec de la sauce, ouais, des champignons. Alors attendez, parce que là, je ne suis plus du tout. Donc là, on va enrober nos paires de tapioca. Les gars, il faut que ça colle. C'est comme ça que voilà, j'ai vu. Donc normalement, ça doit coller. Ouais, que des petits poissons et des crevettes. C'est quoi ça? Mince, je suis perdue, les gars, je suis perdue. Vous voulez bien accrocher, s'il vous plaît? Ah non, je sais ce qu'il faut que je fasse. Mais oui, j'ai oublié, les gars. Faut que je mette de l'eau. Je suis perturbée. Alors, attendez, on va mettre un petit peu d'eau. Voilà. Ouais, je pense que là, ça sera mieux, en fait. Ouais, bah attendez, je remets de l'eau. N'importe quoi. Voilà. Non, pas de beurre, pas d'huile. Bah Loulou, on est le soir. Non les gars, on est le soir. Je vous explique. Non, non.
Non, non, bah Loulou, du tout. Là, du coup, on va le faire cuire à la vapeur. Donc là, vraiment, en fait, là, ça va vraiment être bien. Hop. Voilà, donc là, là, ça va enrober. Ouais, c'est bon. En fait, c'est ouais, c'est ça. Il fallait de l'eau. Alors, attendez. Voilà. Et normalement, il y a une espèce de pellicule transparente qui va se créer. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Au fait, j'ai énervé ma petite maman vu que j'ai commencé à cuisiner grâce. C'est vrai, j'ai fait un gratin ce matin, j'ai mangé avec mes parents, elle est dégoûtée. Ah ! Arrête, c'est trop bien, c'est Debs. Arrête, ça déchire. Ça déchire, c'est trop, trop bien. Ouais, c'est trop bien. Bah écoute, ouais, c'est trop bien. Et t'as vu, franchement, on prend plaisir, hein, tu sais, enfin, hein, ouais, à regarder, à apprendre les. Tu sais, ouais, enfin, cuisiner en fait, c'est juste génial, c'est juste trop bien. Et c'est le midi. Ouais, ça passe. Non, score. Non, non, ça passe pas. Attendez, les gars. Non, non, ça passe pas. Du tout, du tout. Oui, oui, du tout, du tout. Bon, hier, j'ai continué. Hein, séance gonflette du fessier. Ouais. C'est chelou en ce moment au niveau du sport. Bon, mais bon. Je fais mon sport, hein, mais c'est. Voilà. Hop. C'est bon, ben là, écoutez, c'est bon, on va lancer ça en cuisson. Donc ça fera 3 boulettes. et donc, go, allez, c'est parti pour des pâtes au saumon. Oh, yes, Adrien, merci Vince, du coup, t'as trouvé pour lui, yes. Et ça devait être bon, un poisson avec de la bière. Ça, je ne sais pas. Le mieux pour ta recette de pâtes aux champignons, ton saumon, ça va être un repas de roi. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Champipi, ouais, grave, ça va être trop bon. Et donc il faut un corps gras pour que ça colle. Non, c'est bon, ma loulou, avec de l'eau ça a collé. Ouais, c'est bon. T'inquiète pas. Ouais, je vous ai dit que la seule cuillère à soupe d'huile que nous réservons, c'est pour le roll. Voilà, pour l'espèce de truc avec le vermicelle. Ben oui, 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 oui. Hop là, on va juste vérifier la cuisson des vermicelles. Donc c'est pareil en fait, vous savez, quand vous surcuisez les pâtes, vous avez plus de calories. Donc on les fait bien al dente, hein, pour pas avoir. C'est bon. Très bien. Alors du coup, on lance la perle de tapioca. Les perles. Les perles. Ouah, les sakou. Donc là, on est bon. Je vous montre, ça fait 3 grosses boules. Ah bah vous voyez là, les 3 grosses boules. Attendez, je vous les montre quand même. Et donc, en plus, la recette vient se compléter avec les légumes féculents et protéines. Ouais, c'est parfait, ouais. Et les 40 oranges. Ah oui, bah Loulou, c'est pour les... oui, exactement. En fait, ça va être pour notre préparation. Exactement. Alors c'est parti, je vous montre. Waouh, c'est trop joli en fait, c'est juste trop bien. Attendez, on va arrêter ça du coup. Hop là, ça va là. Hop, ça va là. Et puis, bah écoutez, c'est bon. Alors attendez. Du coup, je vous montre les petites perles, regardez, c'est trop joli. Ça fait ça, ça donne ça. Et c'est parti pour la cuisson à la vapeur. Et c'est parti. C'est des perles de tapioca. Ouais, des perles de tapioca. Et du coup, c'est des... en fait, c'est produit à partir de racines de manioc. Voilà. Et donc, en fait, normalement, quand ça va cuire, tu vas voir ma clovine. Donc là, vous voyez que c'est comme ça. Normalement, en fait, ça doit fondre. Et en fait, ça va devenir translucide. Bonsoir, la nouvelle pâturelle. Manioc. Ouais, et après faisons un débat, je pense qu'il y a deux types de personnes dans ce monde, des gens qui aiment et qui apprécient de manger et les autres qui prennent. Oui, alors ça je suis d'accord, d'accord, voilà. Il y en a qui n'aiment pas du tout cuisiner et ça, bah écoute, il en faut parce que sinon les restaurants ils sont pas remplis. Hein. Ouais, donc du coup ça c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de gluten pour ceux qui ont des soucis de gluten, donc ça c'est intéressant et voilà, c'est d'origine, voilà. Ah, c'est perles de tapioca ou perles du Japon aussi. Ça peut être utilisé dans la cuisine Japon. Et dedans, en fait, vous avez de la vitamine qui est intéressante, qui va stimuler vos voies rénales. Voilà. On repasse là. Allez. Et donc, c'est normal que ça fume de partout. Hervé, non, écoute, où tu vois que ça fume? Ah oui, c'est parce qu'il c'est les pattes. Regarde, ouais, c'est les pattes. Attends, attends. Oui, c'est devant la caméra en plus. Ouais, ouais, alors attends, on va s'en occuper. Du coup, j'ai mes... Par contre, je vois pas comment... Attendez, je vais rincer sous l'eau. Ça commence à coller. Je ne veux pas que ça colle. Alors autant vous dire qu'on va se prendre la tête. Donc je vais peut-être m'activer parce qu'on va passer un bon moment sur les rôles. Je ne sais pas comment on va faire ça. Ouais, bonsoir. Et donc gros, il me manque 20 points pour mettre magnifique. Ah, c'est dense. Merci, mais attendez, c'est pas cuit encore les gars. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser. Je vais utiliser une poêle, on va mettre de l'eau dedans. Et comme ça, ça va cuire à la vapeur. Un petit quart d'heure. Il n'y a pas besoin de s'en occuper. Voilà.
Donc je mets dans l'eau. Ça, j'en ai peut-être mis un peu trop. En fait, c'est super pratique ça hein, pour la cuisson vapeur. Voilà. Et voilà. Donc les gars, non, on va attendre que. Non, bah non, c'est parti. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, écoutez, nous avons la soupe qui est prête. Les boules vont être prêtes dans pas très longtemps. Et là, on va s'attaquer en fait à la garniture qu'il va y avoir dans le Yam Sen Kao Poon. Allez, c'est parti. Et donc, on est d'accord, c'est les autres qui comprennent Nat Granola. Et donc, Dom, il a dit, moi, je suis plutôt pain au chocolat et pizza sans ananas. En plus, le Mont-Saint-Michel est breton, sinon ça va. Et parfait. Total, la totale, la totale. Ouais, merci Samuel. Moi qui n'espère qu'un regard de toi, quand poseras-tu tes... Oui, oui, arrête Whitman, arrête, arrête. J'ai un ami qui aime pas les pâtes. Attends, c'est comme ceux qui aiment pas le chocolat ou il y en a qui aiment pas les frites. Les gars, mon neveu n'aime pas... En fait, il n'aime pas les frites. Mais j'ai su... En fait, j'ai réussi à détecter ce qu'il aimait pas. C'est pas les frites qu'il aime pas. C'est les grosses frites, en fait. Et en fait, ma soeur, elle achetait tout le temps des grosses frites. Et donc moi j'avais acheté des grosses frites. Bon en fait je savais pas trop, enfin bref moi j'avais gardé et tout. Et en fait il me disait qu'il aimait pas les frites. Et donc je lui dis mais ben, c'était quoi en fait qu'il aimait pas. Et en fait c'est le fait que ce soit gros. Il veut que ce soit tout fin comme les allumettes en fait. C'est marrant hein. Les grosses frites il mange pas. Il mange des allumettes. C'est chelou hein. Ah bah tiens Padoulou, je n'ai pas vraiment idée. J'ai pas eu ma soeur au téléphone, je pourrais pas te répondre. Je sais pas du tout. Donc c'est encore... Et donc c'est vrai, c'est comme... Ok. Et donc ça fume beaucoup et on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, alors attends, t'inquiète pas, c'est les pâtes, c'est les pâtes, c'est les pâtes. Donc là, là on va s'attaquer au spring. Alors je vous explique. J'ai vu la photo du truc. J'ai vu les ingrédients qu'il y avait en dessous. Je vous parle des ingrédients tout de suite. Nous allons avoir de la carotte. Nous allons avoir du poulet. Nous allons avoir de la crevette. Nous allons avoir de la pomme. Et de la sauce poisson. Et avec ça, on va essayer de faire le spring roll. Voilà. Ça ne s'appelle pas un spring roll. Ça s'appelle un Yao Sen Kao Poon. D'accord, les gars? Mais sur la photo, c'est un espèce de spring roll. Voilà. On va dire que c'est un spring roll. McDo. Ouais, je sais. Eh ben, en fait, du coup, les frites de McDo. Oui, je crois qu'ils les mangent. Oui, effectivement, ils les mangent. Mais arrêtez, moi, mes frites préférées. Vous voyez celles qui sont un peu incurvées. Déjà, c'est les grosses frites, là. Les grosses frites de brasserie, ça, je kiffe. Et les gars, attention, petite information qu'il faut que vous sachiez aussi. On privilégie, attention, on privilégie les grosses frites. Vous aurez moins d'huile que dans les petites. Donc, du coup, vous gagnez des calories. Bon, bref, en tout cas, voilà. Bon, moi, c'est les grosses que je préfère. Et vous savez, celles qui sont un peu incurvées, là, les curved. Ouais, c'est trop bon, ça. Oh là là, on croque dedans et tout, c'est juste trop bon. Mais bon, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté. Hop, bon ça c'était avant. Ouais, grave. Hop. Voilà. Ça c'est bon. Donc on y va. Donc ce que je vous propose, comme je n'ai absolument pas la recette, on va déjà faire revenir. Je pense qu'on va commencer par le poulet. On va mettre le poulet d'abord. Ensuite on va mettre les crevettes. Je vais mettre un petit peu de pomme. Il y a de la pomme et de la carotte. Et ensuite, il faut qu'on fasse une petite sauce. Bon, je vais peut-être m'activer, non? Il faut qu'on fasse la petite sauce. Patate douce. Ouais, patate douce, c'est trop bon. Ouais, c'est trop bon. Ah, les potatoes! Ouais, les potatoes, grave. Mais quand j'allais au McDo avant, c'était les potatoes que je prenais. Ouais, c'était... Et donc, les... Et toi aussi, c'est les grosses frites. Ouais, mais ça, c'est trop bon. C'est trop, trop bon. Une fois de temps en temps, quoi. Alors, on y va. On lance en cuisson la poêle. Du coup, là, on met pas de matière grasse. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Hop, tu viens là. J'ai plus de place. Alors, toi, tu viens là. Et c'est parti. Ok. Ça, c'est pour la soupe après. Écoutez, je le mets là comme ça. On verra pour... La présentation après. Et alors ça, donc vous savez ce qu'on va faire avec ça? C'est que je vais les prendre, on va les mettre dans du papier sulfu. On va attendre que le poulet soit, que la farce soit cuite et après on va le rouler. Donc autant vous dire que je vais galérer. Donc on va se lancer maintenant dans le galérage, ensemble, tous ensemble. Et oh, merci Adrien Tinovar. Merci pour le sub, merci, merci à Tarantino, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, merci. Merci, t'es adorable, merci. Bon, bah voilà, notre grenade, t'es coincée avec nous là.
Ouais, merci beaucoup. Rien de... Ouais, les bonnes frites maison, c'est Dems. Ouais, quand tu fais les... Bah, on avait testé, là, les deux cuissons. C'était l'été dernier. Je sais plus qui m'avait donné la technique. C'était Mike Cork. Ouais, je crois que c'était lui qui avait donné la technique. Bah écoute, ouais, t'es coincé en fait. Fait dans l'huile, j'ai choisi l'air chaud pour les faire. Ouais, le air fry, le fry. Ouais, bah je sais. Ouais, c'est trop bon. Oh, arrêtez, il y a tellement de trucs. Ouais, déjà l'été dernier, hein, je disais que le air fry. Parce que du coup, on pourrait peut-être faire. On peut faire. Bah, en fait, tout ce qui est à l'huile, on peut faire là-dedans. Vous savez, comme les pâtés impériaux et tout ça. Ouais. Bon, bah écoutez, les gars. Ouais. Bon, je vais réfléchir. Ah, je vous parle de l'idée. J'ai une idée à la con. Faut que je vous en parle. Je veux me faire des pizzas dans un four à bois. Ok, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé sur internet comment on peut faire des fours. Voilà, vous savez, des petits fours un peu à la va-vite, quoi. Et en fait, il faut juste des briques. Il faut des briques, des espèces de plaques. Et je pense que je peux trouver ça chez Casto. Vous imaginez si on fait une petite pizza au four à bois, là? Ah, j'aimerais trop. Voilà, bon, bref, ça, c'est une idée à la con. On verra si ça va se réaliser. ok, attendez les gars, je commence à ranger. Ben pas tout de suite en fait. Non, ça, ça va là. Je vais juste mettre ça au frais. Hop. Et c'est parti. On commence avec notre poulet. Allez. Voilà. J'attends un petit peu. Et en fait, on va hacher grossièrement nos jolies crevettes là. Elles sont trop belles. Hop. Et donc, oui, tout ce qui est frit. Ouais, se fait dedans. Ouais, donc il va falloir sérieusement que je regarde maintenant. J'ai tellement envie de prendre plein de trucs. Mais c'est horrible la cuisine, parce qu'en fait, du coup, ouais, il y a plein de trucs qu'on veut, quoi. C'est juste fou. Ouais, c'est... ouais, bref. Mais bon, c'est trop bien, quoi. Ça laisse un champ des possibles, mais juste génial. Des briques réfractaires se trouvent... Ouais, c'est ça, Doom. Voilà, et donc j'ai vu que le four, en fait, il se construisait facilement, quoi. Donc voilà, est-ce que je me lance ou pas? Je vais voir. Je viens de capter, je suis pas abonnée, il va peut-être falloir que je le fasse. Ah, c'est Dems! Ah bah écoute, hein. Tu vois, hein, c'est toi qui vois. ok, alors attendez. Voilà. T'auras le droit... Ouais, merci pour le follow. Merci Maybe TV. Merci pour le follow. Malia, si tu veux faire un four à bois, il te faut du temps. Et en plus, le four à bois, il faut le monter. Ouais, il faut le monter en température, mais du coup, en fait, le gars, en fait, donc il mettait de, tu sais, du bois en dessous, du bois, et je crois du charbon, je sais plus ce qu'il mettait en dessous, mais ça avait pas l'air compliqué quand il le faisait, alors après, c'est moi, hein. Donc voilà, c'est pas sûr, quoi. Toi qui es un bon gars, récupère des tomates. Ah, des tomates! Ah ouais! Ouais, mais c'est à l'extérieur, hein. Attendez les gars, hein. C'est pas à l'intérieur que je voulais faire, hein. Mais ça ne s'affiche pas. Ah mince, ah, t'es abonné, c'est parce que... Si, si, ça s'affiche, en fait c'est le logo, le rouge. Si, si, Penafrat, c'est le... Oui, c'est le rouge, ouais. Bonjour Hypercube Project, ouais, salut. J'ai mangé un cornet de frites à Rotterdam une fois et leur mayonnaise. Ah mince, dégoûté. Du coup les frites étaient gâchées. Dégoûté, tu m'étonnes. Alors attendez. Donc le poulet, là ça commence à être bon. On va jeter, je jette un petit coup d'œil sur mes perles de tapioca. Bon, ça continue à cuire, donc on laisse cuire. Le poulet, il est comme ça. Et je vais vous proposer de sortir le rouleau de le cellophane. Et je vais prendre le cellophane qui est là. Et je cherche le tapis pour faire, vous savez, les maquis. Des briques réfractaires de radiateur, ça marche aussi. Je connais pas. Attendez, j'essaie de récupérer un tapis. Mince, j'ai pas de tapis à dispo là. Mince, ah mince. J'ai pas de tapis à dispo là. Si, si, normalement je dois en avoir, c'est pas possible. Ah non, j'ai vraiment pas. Ah non, faut pas que je descende. Allez, non. Mais non, j'ai pas de tapis. Et non, j'ai pas le tapis. Ah bah les gars, j'ai pas le temps d'aller chercher. Comment je vais faire ça? Non, mais au secours. Voilà, ça c'est des trucs qu'il faut que je prévoie. Comment je vais faire ça? Je ne sais pas. Donc du coup, là, ça va être la galère totale. On va mettre une planche. Tant pis, pour l'instant, on va mettre une planche. Hop. On
va essayer d'ordonner les vermicelles de riz. Bonne soirée, ça marche notre granola. Merci. Ouais, il n'y a pas de souci. Ouais, bonne soirée à toi. Et donc de l'argile pour le recouvrir. Et oui, alors oui, j'ai vu qu'il y avait de l'argile, exactement. Ouais, c'est exactement ça. Et donc c'est les radiateurs récupérateurs de chaleur. Ben écoute, je connais pas. De toute façon les gars, voilà, c'est une idée à con. On va voir. Je vais continuer à me renseigner. On verra bien ce que ça donne. Alors on y va. Donc là je prends mes vermicelles de riz et je vais les mettre comme ça. On va les mettre les uns à côté des autres. Voilà. Je vais bien les serrer parce que du coup je veux vraiment que ça enrobe le truc. Là on va mettre maintenant nos crevettes. Go. Alors, vraiment pas longtemps. Le poulet, il est moelleux. Donc, je pense, les gars, qu'on va s'activer. Hop, je m'active. Donc là, on va mettre un tout petit peu de pomme. J'ai vu pomme. Donc, on va mettre de la pomme. Je sais pas pourquoi, mais voilà, on va mettre de la pomme. J'espère que ça va bien fondre. Du coup, en même temps, ça va apporter un petit peu de sucre. Hop. On y va. Voilà. Et il nous faut des carottes. Hop. Donc là, j'avais râpé les carottes avant le stream, donc on va mettre un petit peu de carottes et ça sera notre farce. Et j'attends un petit peu et on déglacera avec de la sauce poisson. Voilà, vous savez tout et on verra ce que ça donne. C'est pas une idée à la con, c'est... Ouais, c'est du taf, ouais. Ouais, c'est ça. Donc voilà, bon bref, voilà. À chaque fois, il y a plein de trucs qui passent, mais bon, qui passent dans la... par la tête. Après, on verra bien. Hop, donc du coup je continue. Je pense que je vais aller chercher le tapis, les gars. C'est dans ma caisse. Bah, comment je vais faire pour rouler en fait? Pour que ce soit joli en fait, pour que ça fasse vraiment un roulé. Ouais, bah les gars, je suis désolée, je vous laisserai 30 secondes. Et je vais aller fouiller où est-ce que je peux trouver mon tapis pour rouler. Bon, on va s'arrêter. Oui, c'est bon, cette longueur là, ça me va. Peut-être encore un petit peu. Allez. Voilà. Très bien les gars, donc voilà, nous avons le début, nous avons ça, on va récupérer la farce. J'ai l'impression que j'ai oublié des trucs, je sais pas quoi, mais on va mettre un petit peu d'oignon vert. Hop. Et on y va, sauce poisson. Bon, écoutez, ça va donner ça. Je ne sais absolument pas ce que ça... Je ne sais pas. C'était joli, hein. Voilà, donc dans l'intention, c'était pas mal. C'était pas mal. Et mon tapis... Non, mon tapis... Le tapis, tu sais, Baloulou, le tapis pour faire les maquis. Pour faire les maquis. Et du coup, en fait, je me dis... Attendez, je vais mettre le poulet en petit morceau. Oh, merci. Arrêtez, les gars. Oh, merci, c'est Debs. Du coup, d'après, merci pour le sub. Ouais, merci, t'es adorable. Non, bah, Lulu, je vais prendre la kettle. Attends. Non, je prends pas la kettle. Du coup, c'est hyper chaud. Attendez, hop. J'aimerais bien que la pomme, elle fume un petit peu. Ah, oh. Hop. Du coup, est-ce qu'on se rajouterait... Ah non, j'ai plus de lait de coco. Ah mais non, j'ai tout fini. Attendez, on va rajouter quand même un petit peu. Parce qu'en fait, il n'y a, pas d'épices. Enfin si, il y a quand même la ciboule et tout. Je vais mettre un tout petit peu de piment. J'ai bientôt fini mon pot. Et... C'est hyper rare que j'arrive. Hop, hop là. Voilà, donc après, en fait, on va tout simplement... Donc on va rouler. Rouler et ensuite on va refaire chauffer. Voilà, donc les gars, ça donne ça. Écoutez, je pense que ça peut être pas mal. Je sais pas, on verra. Salut Gotrek, comment tu vas? Ouais, c'est quoi? Donc là, c'est donc là on est en train de faire un roll. Voilà, donc du coup, il y a du poulet, il y a des crevettes. Donc là, c'est alliance terre et mer, les gars. Il y a de la pomme et il y a la carotte. Donc du coup, côté sucré, et en plus, et on a rajouté de la sauce poisson. Du coup, j'ai rajouté un peu de ciboule. Et puis, bah écoutez, on verra. Je vous dirai si c'est bon ou pas. Et donc, c'est fait. Ouais, mais dis donc, merci Cédems. Merci. C'est gentil, grave. Merci. Sultan, j'ai pas vu. 22h10 chez moi. Je vous écoute au lit. Ah, ça marche. Bah écoute, endors-toi bien. Passe une bonne nuit surtout.
Et donc avec grand plaisir, j'ai retrouvé le plaisir de cuisiner. Oh, merci, merci, je suis trop contente quand vous me disiez, quand vous, je disais ça, ça n'existe pas, quand vous me dites ça. Yes, yes, bon bah écoute, génial. Ouais, la découverte, tu sais, des ingrédients et tout, enfin tu sais, les, ouais, c'est tout à l'heure, ouais, c'est trop bien. Bon bah écoutez, c'est trop bien. Écoute, je suis super contente, ça me fait super plaisir, grave. Et j'ai posté une photo sur le Discord dans cuisine, ça marche Adrienne Tinower, ouais, ça marche. Et j'ai galéré de m'y prendre à plusieurs fois. Ah oui, sur le téléphone, moi c'est vrai que c'est 10 fois, c'est pas du tout pratique. Alors les perles, on en est où? Écoutez, ça commence, ça commence. En fait, j'ai fait des gros sacs. Donc du coup, ça va prendre un petit peu de cuisson. Les gars, je vais chercher mon tapis. Regardez, c'est pas magnifique ça? Donc on va essayer de faire les choses bien. Je vais chercher mon tapis et je reviens. Ouais, poulet crevette, je pense pas que le mix, ça va être pas mal. Et du coup, il faut un petit peu de cacahuètes. Alors attendez, j'ai oublié les cacahuètes. On va mettre aussi dedans. Et après, on va préparer une sauce dans laquelle on va tremper le spring. C'est pas un spring. Arrête avec ton spring, en fait. Non, je sais que c'est... c'est le printemps, mais arrête avec ton spring. Non, mais en plus, c'est l'été, je crois, spring... Non, spring break, c'est un... Ah non, je sais plus. C'est quand les spring break? Ouais, c'est le printemps, en spring. Bah oui, c'est summer, l'été. Oh, bah voilà. Je vais chercher le tapis, les gars. Je reviens. Et c'est sec, Gotrek. Écoute, là, oui, alors, du coup, c'est un petit peu sec. Je te l'accorde. Mais en fait, tu sais, on va faire une sauce juste à côté pour tremper le roll. Voilà. Mais c'est sec sans être sec. Hein. Ouais, il n'y a pas d'huile, quoi. Et ouais. Et donc, et n'hésite pas à poster des photos. Ouais, c'est clair, c'est Dems. Ouais, c'est clair, ça fait grave plaisir quand vous postez des photos. Ouais, les gars, je vais chercher mon tapis. Ok, c'est bon, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Mais je savais exactement qu'il fallait chercher. Donc on y va, je vais mettre ça en dessous. Hop. Voilà. Et on y va. Salut Nordine, comment ça va? Ouais, salut, comment tu vas? Donc du coup, attendez, je remonte. C'était un peu curé dans ta crème. Ouais, le curé, c'est... Ouais, ouais, les épices et tout, c'est trop bon. Bonsoir, ouais, bonsoir Nordine. Ouais, écoute, ça va. Et tu connais Tiny Adam? Ah, ça, je sais pas. Et donc, je possède ce genre d'ingrédients. Ok, ça marche. Mais ça marche, les gars. Donc, McLovin, en fait, la sauce, tu vas voir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer. En fait, on va retrouver le goût de ça. On va réutiliser de la carotte. On va réutiliser... Salut, re, Thomas. Ouais, re. On va réutiliser... Donc là, en fait, on va faire cuire la... Ah, les gars, c'est pareil. J'ai vu les ingrédients et je me suis dit, comment on fait ça? Ouais, donc là en fait on va travailler, donc on va faire la sauce poisson, on va mettre aussi un petit peu de sucre. Donc, d'habitude je mets du sirop d'érable, mais du coup les gars on va limiter les calories, du coup on mettra de l'érythritol et on se fera une petite sauce pour tremper dedans. Et on va mettre du piment, comme ça du coup on retrouve un petit peu les graines de piment, mais comme en fait, comme la sauce pour les nems en fait. Voilà, donc on va essayer de faire une petite sauce comme ça. Et j'ai signé comme chef là-bas aujourd'hui. Ah attends, où Peter Pratt? À Tainadan. Oh, attends, je vais aller regarder, je vais aller faire ma fouineuse, comme avec mes élèves, je fouine. Attends, ouais, attends, c'est trop bien. Et bah félicitations, bravo Peter Pratt, yes, t'es content? Moi j'imagine que oui. Et donc, je suis partie, bah Loulou, c'est pas grave, t'inquiète, Abcedems, ok. Je suis partie manger, je suis énervée. Et pourquoi tu t'es énervée? Il faut pas s'énerver les gars, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Pleurer, s'énerver, ça ne sert à rien. Ouais, il faut utiliser, il faut prendre ces moments-là, en fait, pour trouver des solutions. Et comme ça, du coup, ça fait qu'on est mieux, qu'on se sent mieux. Ouais. Et donc, et c'est un truc de camping. Hé, attends, donc ça veut dire que c'est bon, tu vas reprendre les contacts, je sais pas si t'es Peter Pratt. Il va y avoir du monde, alors. Ah, mais attendez, il y a trop de farce. Alors, attendez, on continue le rôle. Je vais faire un rôle de 3 km, laissez tomber. Hop, voilà. Bon, bah écoutez, je vais juste mettre un petit peu de la farce. Ouais, il va être énorme le truc. Bon, bah c'est pas grave, au moins ça aura... voilà, on aura un rôle qui sera bien, bien gros. Très bien, on est parti pour rouler, les gars. Allez, allez, allez.
Je ne sais pas, on va voir. Moi, j'ai même pas d'appétit, mais ça va. Et pourquoi t'as pas d'appétit, Nordine? Mince, je vais bientôt mettre... Mais arrête, Thomas, pourquoi tu dis ça? Mais Thomas, c'est trop bien comme prénom. Allez, on en est où, là? Encore un petit peu. Les gars, il faut que je remette de l'eau. Il n'y a plus d'eau. Hop. Attends, il n'y a plus d'eau. C'est parti. Mais il faut pas que tu te prennes la tête pour un prénom. Mais oui, enfin, je sais pas. Il y a d'autres prénoms, tu sais, qui passent pas facilement. Mais Thomas, c'est nickel. Ça roule. Et donc, perso, ça roule mieux dans... Ouais, c'est clair. C'est grave ce que tu... Ne plaisante pas avec ça, stop. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est dur. Et j'aime bien le cadre. Et surtout, il n'y a pas le réseau là-bas. C'est un site naturel. Ah, attends, site naturel à 100% ou... Non, je rigole. Et ça fait chier tout le monde et c'est cool. Yes, j'ai l'air prate. Merci Cardi Cricri, merci pour le follow, bienvenue sur la chaîne. Donc on y va les gars, on va rouler ça. Par contre, je vais récupérer un peu de la farce, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il faut que je nettoie la poêle. Il faut que je nettoie la poêle pour qu'on fasse la sauce. Alors, je vais mettre ça là-dedans. Il faut qu'on fasse la sauce et ensuite qu'on la réutilise pour faire chauffer le roll. Au secours. Mais j'essaierai plus de manger. Ah, c'est Covid, Nordine. Ouais, c'est ça, c'est Covid. Natura 2000. Ouais, grave. Attends, ça va être trop bien. Non, je rigole. Attendez, les gars, on va pouvoir repartir en vacances et tout et faire plein de trucs. Ça va être trop bien. Ouais, c'est ça, exactement, c'est Dems. Ouais, il y en a qui ont des prénoms qui sont plus compliqués à porter. Ouais, effectivement. Donc, on y va. On roule. Ça, j'ai récupéré. Je récupère la farce. On la met là. Voilà. Mais c'est pas si sec que ça. On nettoie ça. Voilà. Après, ça peut être pas... Ah, est-ce qu'on se mettrait pas des petits bouts de frais? Oh, yes. Attendez, on va se mettre de la pomme granny fraîche dans le roll. Et un petit peu de carotte fraîche aussi. Voilà. Et dans les rouleaux de printemps, les gars, il n'y a pas de sauce. Hein. Et pourtant, c'est pas sec. Hein. Bon, j'avoue, c'est pas un rouleau de printemps. Mais... Hop. Ok, on va se faire des petites lanières. Juste un tout petit peu de pommes. Voilà, je vais les faire très fines. Et comme ça, du coup, on aura un petit peu de... Hop. Ah! Voilà, et j'ai besoin d'aide. Thomas, oui. Bah du coup, explique-nous un petit peu, c'est quoi ton souci? Pourquoi, Thomas, ça te dérange, en fait? Hop, voilà. Tu sais, j'avais un de mes élèves qui était vraiment pas bien, et c'est exactement ça, Gotrek. Et du coup, cet élève, en fait, depuis, il voit une psy, c'est le jour et la nuit. Les gars, c'est le jour et la nuit. Donc, si t'as besoin de parler, franchement, n'hésite pas, quoi. Oui, parle avec quelqu'un et tout, ça te fera du bien. Enfin, normalement, ça fait grave du bien, quoi. Et voilà. Bon, bah, voilà, on met un petit peu de lanière de pomme. Je vais mettre un petit peu de carottes râpées. Elles sont là. Il m'en restera un petit peu pour la sauce, donc c'est parfait. Voilà, comme ça, on aura un petit peu de trucs frais, là. Très bien, voilà. Un peu de cru, vous savez, les gars, pour récupérer tous les nutriments. Ouais, t'aimes pas, Thomas, mais du coup, il faut que tu trouves une solution, en fait. Tu peux pas rester comme ça. On est parti, les gars, on roule. Vous voulez rouler avec moi? Allez, on roule. C'est parti. Hop. Du coup, il faut vraiment que ça reste... Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire autre chose avec les pâtes? Je n'en sais rien, les gars. On va voir, on va voir. Hop, je serre. Hop, et tu prends le volant. Let's go, ouais. Ah, bah écoute, non. Bon, bah écoutez, il ne faut pas que ça se défasse. Donc là, du coup, ça s'est un petit peu défait. Je vais encore resserrer. Attendez, on va resserrer. Bon, ça a l'air de fonctionner, mais il faut que ça se serre sur les côtés. Attendez, hop. Hop. Voilà. Alors, attendez. C'est bon. Ah, yes! Ça a marché, les gars! C'est bien! Tu voudrais t'appeler Joris? Joris? Pourquoi Joris? c'est quoi Joris, en fait, les gars? Je connais pas. C'est quoi Joris?
Ça fait et un peu de ouais, c'est ça, exactement, c'est Dems, exactement. Alors attendez, je resserre no, mon truc God, là. Please, oh. No, no, non, 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 qui, non, non, si, attendez les gars, là du coup le rôle c'est nickel. Je resserre, attendez, je vais resserrer encore. Et donc, merci ma couille. Ouais, salut ma couille, ça va? Non, tu peux pas. Regarde, attends, ce que je vous ai dit, j'allais me prendre la tête avec ce rôle. Mais c'est bon, on y est. Alors attendez, on va fermer. Et je sais pas comment je vais faire pour le faire cuire. Hein. Attendez, je vais réfléchir. Là, la plaque, c'est pas possible parce que je peux pas le défaire en fait. Je ne sais pas. Ah, peut-être qu'il aurait fallu le mettre au frais. Ah, attendez, on va peut-être le mettre au frais alors. Je vais le mettre au frais histoire qu'il se fasse en forme. Attendez, hop. Allez, s'il te plaît. C'est hyper galère, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, ça fait mal, c'est pas raté encore. Hein. Non, 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 les gars. Non, non, les gars, c'est pas encore raté. Nous avons notre rôle. Là, on est bien. Et du coup, je vais le mettre au frais. Juste pour qu'on puisse... En fait, vous savez, c'est juste pour qu'il se forme, là, qu'il arrête de se barrer. Et ensuite, on passera vite fait un coup à la poêle. Le temps de faire la sauce. Non, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Qui a dit ça? Merci, McLoving. Arrêtez, les gars. Je ne suis pas d'accord. Attendez, tout n'est pas fini. Vous savez que tout peut arriver. Allez, hop. Du coup, je vais mettre ça au frais. Juste le temps qu'il se raffermisse. Et après, on mettra à la poêle. Hop, voilà. Et du coup, bah écoutez les gars, on va se lancer dans la sauce et puis on sera bon. Alors, est-ce qu'on en est, on en est où des sacs? Bah écoutez, je vous montre à quoi ça ressemble. C'est ça, ça devient translucide et tout. Ouais, et ça colle. Ah mince, ça colle. Donc mince, ils vont coller les trois entre eux. Je vous montre en fait, du coup ça donne ça. Je pense que j'ai mis un peu trop de perles de tapioca. Normalement c'est plus fin. Salut Safirane, ouais. J'ai peur que ça ne tienne. Ouais, je sais Vince, moi aussi. Hein. En plus, il n'y a pas de gluten en fait dans les vermicelles de riz, donc c'est un peu relou. Regardez, ça donne ça, c'est joli. Hein. Bon, on va faire la présentation du coup. Attendez, on va mettre ça. Nouvelle photo. Merci Adrienne Thomas. Ouais, merci. Du coup, attendez. Donc, il nous faut la soupe. La soupe, ça va être dans le bol. Il nous faut le roll. Le roll, je voudrais le mettre là-dedans. Donc, ça. C'est du de toute beauté. Oh, merci, c'est Dem, c'est gentil. Merci. Alors, attendez. Donc, lui, on va le faire. On va partir sur mon truc qui est long. Il est où le truc long? Ça le fait pas une assiette chinoise. On est au Laos. Si, j'ai une assiette chinoise. Mais du coup, je suis pas sûre qu'on va... Attendez. Non, ça le fait pas. Je veux une assiette blanche. Alors, attendez. Non, c'est pas là. C'est où? Tu es où? Mais elle est où, mon assiette? Je suis désolée. C'est pas possible. Ben non. Ben en fait, je vois pas. À part le lave-vaisselle, là. C'est là où je mets les assiettes. Bon les gars, je crois qu'on va arrêter de se prendre... Je voudrais l'assiette rectangulaire en fait. Les gars, j'en ai marre. Il y a quoi déjà au milieu? Attends, ici, au milieu, dedans, en fait, t'as une farce veggie. Donc c'est oignon, échalote, il y a de l'ail, il y a du sucre, il y a des cacahuètes. Et je sais pas... Ouais, toi-même... Bon les gars, il va falloir que je réfléchisse juste 30 secondes. Ou peut-être cette satanée assiette. Non, elle est pas là. Elle est pas là. Donc si elle est pas là, elle peut être que au frigo. Non. C'est quoi le délire? Désolée, vous galérez. Attendez, tant pis. L'assiette carrée. Ouais, celle-ci, je vais la garder pour le roll. C'est pas l'assiette carrée, c'est une rectangulaire, en fait. Je suis désolée, les gars, j'aurais dû préparer ça avant le stream. Je suis désolée. Attendez. Bon, bah tant pis, on va faire avec une autre assiette. Hein. Ouais, je voulais que ce soit blanc, parce qu'on veut mettre...
mettre là-dedans. Ouais, je sais pas, Loulou. Bon, écoutez, on va mettre là-dedans, tant pis. Donc, nous allons mettre nos petits sacous. Alors, je vous promets, quand je la retrouverai, je vous dirai. C'est horrible. Je déteste quand ça arrive. Donc, les petites boules de sacou qui sont ici. Oh, yes. Alors, ouais, donc là, ça fait vraiment... écoutez, je ne connaissais pas les perles de tapioca, mais du coup, ça fait vraiment transparent. Attendez, je vais mettre ça là. Bon, ça fait des grosses boules, hein, quand même. Salut, gentil toutou. Ouais, gentil toutou, c'est Tigrou qui a tout mangé. Faut tout refaire. Non, non, les gars, il n'y a rien à refaire. Là, on est nickel. Là, on est nickel, je suis hyper contente. Là, du coup, ça a bien marché et tout, je suis hyper contente. Voilà. Très bien. Donc, nous terminons la déco. Donc, la déco, c'est tout simplement des flex. Des... Ouais, t'as vu ? Ouais, j'espère que ça va être bon. Non, du tout. Non, non, Vin, je suis pas perdue. C'est juste que je voulais retrouver mon assiette rectangulaire. Voilà, donc là, nous avons nos petits sacous. On va mettre les flex de piment par-dessus. Voilà. Je ne connais pas, hein. C'est la première fois que j'ai goûté ça. Et du coup, nous allons mettre un peu de ciboule, les gars. Voilà, ça nous fera un petit peu de vert. Donc, si vous aimez la coriandre, n'hésitez pas à en mettre parce que bah, là-bas, ils en mangent beaucoup. Mais moi, je n'aime pas la coriandre. Ah, salut, Japon Démonium, comment tu vas? Ouais, oui, c'est clair, Doum. Ouais, je pense que ça va être sympa. Alors, attendez, tu veux bien rester là, toi? Hop là, tu restes là, voilà. Et voilà. Du coup, nous avons nos sacous qui sont prêts. On y va. On va continuer. Attendez. Pareil, hein, les flex, vous savez, c'est des trucs coréens et tout, mais t'as vu, Doom, comment ça descend de fou, quoi. Trop contente, trop bien. Et donc, l'assiette, elle doit être... Ouais, mais je sais pas où est-ce qu'elle est, Nardine, mais je te promets que ça m'intrigue de fou, quoi. Je vous reprends avec moi. Du coup, donc là, on va lancer la sauce. Hop, ça, je baisse. Ouais, attendez, on va garder ça. C'est ça que je vais étendre. Alors, pour la sauce, les gars, hop. Toujours, je ne vais pas mettre, nous n'allons pas mettre d'huile. Donc, je vais mettre mes carottes râpées. Du coup, on va faire un petit rappel. Carottes râpées, ouais, merci, c'est belle, c'est gentil. Merci, merci. Donc, carottes râpées, on va remettre un petit peu de... donc, du coup, on va mettre du sucre. Attendez, je vais faire un petit mélange et comme ça, on mettra... dans la poêle. Au secours. On va prendre les cacahuètes. En fait, je vais préparer mes ingrédients comme je vous ai dit. On va essayer de structurer. On va structurer. Comme ça, du coup, on va tout jeter dans la poêle et on fera notre sauce. Hop. Voilà. Je voudrais utiliser du saké et du mirin, mais du coup, c'est japonais. C'est pas. Voilà, c'est pas laotien en fait. Ouais, donc du coup, j'oublie. Je vais faire mon petit mélange. Hop, ici. Je vais mettre un petit peu d'eau, ça va m'aider pour un... Voilà. Oh, merci, merci Dou, merci pour les tiens. Le gochugaru. Le gochugaru, attends, c'est les flex, Dou? Ouais. Ouais, attends, je sais pas. Le gochugaru, écoute, je vois pas le nom. Le gochuan, je l'ai, le gochuang, alors, on va mettre la sauce poisson. Voilà. Du coup, on va mettre du piment. Un petit peu. Et on va mettre du sucre. Thomas Pesquet, il a de la chance. Thomas Pesquet, ah bah... Après, du coup, tu sais, Thomas, on se la crée la chance, hein. Lui, il a travaillé de fou hein, pour en arriver où est-ce qu'il en était. Et du coup, ouais, bah c'est lui qui... Les gars, il faut vous créer votre vie, en fait. Faut pas attendre les gens, hein. C'est vous qui créez votre vie, hein. Faut pas attendre les autres, hein. Alors, attendez. Du coup, ça va là. Donc, nous avons... les cacahuètes, je vais pas les mettre tout de suite, on les mettra à la fin. Donc, je vais lancer les carottes. Voilà. Nous faisons chauffer un petit peu les carottes. Je vais mettre j'attends juste que ça chauffe un peu. Et après, je mets la sauce. Le piment en poudre. Ah, c'est ça, Doum. Donc, c'est le nom du piment en poudre. Ouais, franchement, laisse tomber. C'est trop bon. Non, mais le piment, les gars, c'est trop, trop bon. Ok. Donc là, hop, c'est bon. On récupère le rôle. On essaye de faire quelque chose avec.
Bon, écoutez, je vais les désolidariser. J'espère que ça va tenir à la poêle. Bon, écoutez, si ça tient, je serai ravie. Et c'est là où nous allons utiliser une cuillère à soupe d'huile, les gars. Voilà. Ça, c'est bon, c'est fini. Et puis, bah, écoutez, il faudra qu'on lance le pop-up. Et du coup, on se retrouvera donc jeudi et jeudi pour le stream hot dog. Ouais, ça va être très, très sympa. Enfin, j'espère. Hein. Vous me direz de toute façon. Ouais, alors attendez. Du coup, on a notre soupe ici, le temps que ça chauffe. Ça sent super bon. Ça sent super bon. On va la mettre ici. Alors, bon, du coup, bah, y a le lait de coco, hein, je vous ai dit. Donc, normalement, en fait, il fallait rester tout à côté. Pendant tout le long de la recette, il fallait rester à côté et remuer. Du coup, je ne suis absolument pas restée à côté. Je n'ai absolument pas remué. Voilà, c'est pour éviter que... Merci pour le follow, Mesh. Merci, bienvenue sur la chaîne. Voilà, donc du coup, on va mettre ça là. On va mettre un petit peu de piment, comme ça on a un petit peu de couleur rouge. Ouais, je sais pas comment faire pour enlever ces graines. Bah écoutez, tant pis. On va cacher, vous savez avec quoi? On va cacher, les gars! On va cacher! Oui, on va cacher! Bah avec la ciboule! Mais oui! Hop, donc là, j'ai mon petit morceau de poulet. Voilà, on va mettre ça là. Je vous montre. Ok, parce que là, du coup, vous voyez en live. Ok, donc là, en fait, vous allez voir, c'est un petit peu, effectivement, un petit peu grainé. Je vais me jeter une... Ah, Thomas, hein, mince. Donc, du coup, hop. Voilà, donc du coup, ça donne ça. Donc, ce qu'on va faire... Attendez, hop là, je vais juste mettre la sauce. Voilà. C'est bon, j'ai récupéré la sauce. Donc, c'est cette sauce-là qu'on va utiliser pour... Délicieux. Agréable. Merci, c'est qui? Merci, Michael. Ouais, la tricheuse. Attends, c'est Dems. Attends. Donc, Maya l'arnaque. Donc, ce qu'elle vous propose, en fait, c'est de prendre de la ciboule. Le retour. Mais c'est clair. Salut, Michael, comment tu vas? Et nous allons mettre, voilà, de la ciboule. On n'a pas gardé de la menthe. Non, j'ai pas gardé du piment. Dommage. Un petit piment rouge là. Attendez, je vais lécher ce piment. Voilà, c'est rouge. Voilà les gars. Attendez, est-ce qu'on va, on va même mieux faire encore. Attendez. Ah ouais, ça pique en fait. Voilà, on va faire ça. Du coup, vous voyez plus là que ça a grainé. On est d'accord, hein. Voilà. Ouais, le plus dur, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Oui, c'est clair. Ouais, Thomas. Thomas, fais pas de bêtises. Il faut que tu essayes d'identifier quel est ton souci, en fait. Pourquoi ça te... Qu'est-ce qui va pas pour que tu puisses régler ton souci. Voilà, donc les gars, nous avons notre soupe, là. Ouais, McLovin, ça te plaît? Oui, c'est une feuille de bananier, Sultan. Exactement. Alors, attendez. Je continue. Donc ça, je vais récupérer la petite sauce. Je vous reprends avec moi. Du coup... Je récupère la petite sauce qui va servir pour le roll. Voilà. Donc très bien, ça va refroidir. On va nettoyer la poêle. Hop. Ah, j'ai envie de rajouter des trucs. C'est pas assez liquide pour moi. Attendez, hop là. Du coup, je vais récupérer ça. Et voilà, et du coup je le mets là pour notre sauce. Très bien, nous avons la sauce, les gars. Bonjour. Ah, Fanfan, comment tu vas? Yes. Ouais, c'est Maya. Ouais, c'est clair. Ouais, donc McLovin, j'ai récupéré ce qu'il y avait dans la poêle. Ouais, il y a un petit peu de... Il reste du reste de sauce. Un peu de caramélisé. J'ai mis un petit peu d'eau et du coup je l'ai récupéré pour la sauce. Ouais, non, il n'y a pas de corps gras là-dedans. Les gars, il n'y a pas de corps gras. Vous avez la sauce poisson, vous avez du piment, vous avez de la carotte, on a de l'eau. Non. Et attention, c'est dans celle-ci où nous allons mettre, attention, la cuillère à soupe. Salut, Fanfan. Ouais, non, de l'huile d'olive. Et Doom, il a dit quoi? C'est dommage, tu ne pourras pas profiter de l'ouverture des restos. Ouais. Doom, t'es trop fort. Mais oui, c'est clair. Mais oui, un prénom, c'est rien, quoi.
Je vais bien. Ouais, bien bossé. Ouais, nickel. Ouais, bien bossé aujourd'hui. Oui, oui, nickel, nickel. Ils ont... laisse tomber. Je les ai, mais la règle du camouflage, ouais, c'est moi. Donc, attendez, les gars, on continue. On va faire revenir notre... Ah, mais non, j'ai déjà fait une poêle. Ben, écoutez, il y a cette poêle-là qui est lancée, donc je vous propose qu'on fasse les pop-corn. Eh, ouais. Attendez. Donc, du coup... Et donc, Fanfan... Ouais, salut, Fanfan. Ouais, ça fait un petit moment grave. Voilà. Et le spring, le roll, je croise les doigts les gars, ce serait trop bien si ça marche, en fait je serais trop contente, en fait si ça marche je serais super contente. De, ouais, et j'ai entendu, ouais je sais Pénard Pratt, c'est pour le roll en fait, tu sais pour qu'il soit un petit peu croquant. Allez, on va voir hein, si ça tient, je pense qu'il aurait fallu que je le fasse plus tôt. Attendez, j'attends que ça chauffe. Oui, des pop-up. Arrête, Valoulou. Non, c'est pas ça, Valoulou. En fait, du coup, c'est si je veux que ce soit un petit peu croustillant. Après, j'aurais pu le faire au four. Ah ouais. Ouais, je veux que ce soit croustillant. Tu sais qu'on puisse bien le prendre dans la main, en fait. J'aurais dû le faire au four. Les gars, j'aurais dû le faire au four. Ouais, bah écoutez, tant pis, hein. Il est mou. Ouais, je sais, McLovin, mais il est pas encore cuit là. Là, il est pas encore cuit, les gars. Ouais, on va le faire revenir vite, vite dans. Ah, ou alors free. En fait, free, c'est là où ça sera nickel. Hein. Oh, les gars, on se fait une friture. Oh non, un lundi soir. Non, 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 tant pis, écoutez, on va se faire l'huile d'olive, on se fait pas de friture. Ouais, et donc, oui les gars, j'aurais déglacé, ouais le vin blanc, je sais, tu as plein de démoniaque, mais du coup là, on limite les calories, donc du coup la friture, non, on oublie les gars. Ça, je pense que ça pourrait être très très bon quand même, hein. Ouais, je pense qu'avec la friture, c'est ce qu'il faut en fait. Ouais, je sais ce que je vais faire avec le vin, exactement. Donc là, j'attends que la poêle, elle soit bien chaude. Voilà, on attend que ce soit bien bien chaud et voilà, on va faire aller-retour et j'espère que ça va croustiller. Ouais, j'essaie de... Non, je sais, ouais, je le ferai pas en fait. Allez, la friture, c'est une fois de temps en temps, mais voilà, il y a vraiment une petite fois de temps en temps. Il va grêler. Arrête, Baloulou. Non, arrête, c'est pas la fin du monde. Non du tout, les gars. Non, du tout. Bon, si vous voulez, ce qu'on essaye de faire en fait, c'est que je ne mets pas d'huile. Je ne vais pas mettre d'huile. Hein. Ouais, mais c'est pas ça, c'est que... Ouais, ok, je vais pas mettre d'huile et puis on va essayer de voir si ça tient, en fait, tout simplement. Allez, c'est parti. Allez, go. La plaque est chaude. Non, ça marche pas. Les gars, ça marche pas. Ça marche pas. Du coup, il faut vraiment qu'on mette de l'huile. Mais oui, en fait, c'est de vermicelle de riz. Donc du coup, ça colle, quoi. Bon, les gars, attendez. Ouais, ça colle de fou, quoi. Bon, c'est pas grave, garde l'idée. Ça marche pas du tout. Enroule une feuille de papier. Ouais. Attends, de quoi? Enroule. Cuis-le d'abord dans de l'eau pour le tenir. Ouais, mais les gars, ça a déjà cuit en fait les pâtes. Ouais, c'est ça. En fait, c'est trop cool. Ouais, voilà. Bon, écoutez, je pensais que ça allait marcher. Ça ne marche pas. alors, attendez. Nous avons au moins la sauce. Nous avons la sauce. attendez. Non, je pense que c'est le bain de friture en fait qu'il fallait. Bon, il y a tout qui se désagrège. Les gars, ça ouais, mais grave. Donc, écoutez les gars, on va transformer ça en une sympathique, en quelque chose de voilà. Du coup, ça passe là. Non, c'est pas grave. Il y a juste la forme les gars qu'on n'a pas, c'est tout. Ouais, bah écoutez, non mais je pense vraiment, ouais je pense qu'il aurait fallu que je fasse un bain de friture en fait.
Et en fait, le fait de plonger dedans, je pense que direct serait. Et tu le referas. Ouais, je sais, Vince. Oui, oui, vous inquiétez pas. Et je pense que de toute façon, ça sera déjà. Ça sera très bon. Parce que, regardez ce que. Déjà, en plus, je vais rajouter ça. Hop. Voilà. Et vous allez voir, ça fait très, très laotien. Je sais pas. On va mettre les petites cacahuètes. Hop là. Nos bonnes matières grasses. Et du coup, bah, la sauce, je vais la laisser à côté. Ouais, la sauce, je vais la laisser à côté. Comme ça, du coup, je vais goûter. On verra ce que ça donne. Et bah, du coup, les gars, c'est bon, on a fini. Même les potins, ils sont prêts. Je vous montre quand même le plat, parce que le plat a l'air quand même sympa. Ok, d'accord, il est pas en forme de roll, mais regardez, c'est plutôt pas mal. Découpé. Attendez, il y a les potins qui crament. Hop là, voilà. Hop. Voilà, c'est bon. C'est pas mal! Laotien du verbe laotier. Ouais, laotier, grave. Donc nous avons les sakou. Salut Coleslaw, Moisy, comment tu vas? Ouais, comment tu vas? Prends pas la photo. Si, non, je prends pas la photo, ma Chloé. Mais regarde, là je peux prendre la photo, c'est joli, non? Voilà. Et ça peut arriver de se planter. Bah, je me suis pas plantée, Vince. Mais non, je me suis pas plantée. Ouais, c'est juste que le rôle, du coup, il aurait fallu friture. Et il aurait fallu friture, je suis certaine qu'il aurait fallu friture. Bref, du coup, bah écoutez les gars, bah comme en fait, je pense que c'est comme les pâtés impériaux en fait du coup. Ouais, bah tant pis, voilà. Et ça passe le... Ouais, c'est ça, exactement. Donc, ouais, le goût il sera là et je pense que ça sera vraiment pas mal. Donc les gars, nous avons les sakou qui sont ici. Nous avons le... donc là, nous avons le tome... Kage, à chaque fois je... Désolée. Donc c'est une petite soupe en fait, vous avez du poulet, donc il y a de la ciboule, il y a plein de trucs. Hein. Le bouillon en fait, il y a de la citronnelle, il y a du piment, il y a plein de trucs. Bonsoir Simtra Online. Et donc là nous avons le Yansen Kao Poon, version Maya. Voilà, donc du coup vous avez des vermicelles de riz, on a de la pomme, pomme, crevette, poulet, cacahuètes, nous avons du piment, de la sauce poisson, et là il y aura la petite sauce pour accompagner. Voilà, donc nous avons fait un petit tour au Laos. Ouais. Merci Simtra Online, merci. Je vous dirai si c'est bon parce que je vous avoue que je vais découvrir la perle de tapioca. Le bouillon citronnelle, etc. Je ne sais pas. Voilà, donc du coup le plat aussi, parce que là du coup le plat... pas la moindre idée. Laos, ne pas y aller, il mange des trucs... Arrête gentil toutou, c'est vrai, tu y as été? Ouais, bah écoute, du coup, là, regarde, j'ai pas fait des trucs chelous. Normalement, c'est bon. Là, on est bien. On est bien. Et on va rajouter un petit peu de ciboule. Comme ça va faire un petit peu de vert. Allez, un petit peu de ciboule. Voilà, comme ça, on a de la ciboule fraîche. Hop. Voilà, les gars. Voilà. Bon, ben, bah, ouais, merci. Ah, ça donne faim. Merci, Simtra Online. Merci, c'est gentil. Merci, McLoving. Ouais, merci. Et ça veut dire bon appétit. Ah, en laotien. Son as a espe, ouais, son a espe. Vous aussi, bon appétit à vous, bon appétit. Bon, bah écoutez, du coup, on se retrouve jeudi soir. Petit hot dog jeudi soir. Et vous croisez les bras, hein. Demain, j'espère que qui va me dire, oui, j'ai des boyaux. Voilà, bon, bah écoutez, encore une fois, merci d'avoir été avec moi, merci à tous. Voilà, c'est toujours top d'être avec vous, donc voilà, donc merci à vous, merci, plein de bisous, merci pour tous les subs, ouais, merci à vous, franchement, merci, des bisous, ouais, plein de bisous, merci pour les subs, merci pour les cheers, merci pour les follow, bienvenue au nouveau sur la chaîne, voilà, et puis bah écoutez, ouais, exactement, un petit coup de ciboule et tout passe, je suis entièrement d'accord, Michael. Ouais, très bonne soirée à vous, je vous fais plein de bisous à vous, et puis bah du coup, à jeudi. À jeudi. Bisous, bonne soirée à vous.